Bonsoir à tous. Vous savez, comme à l'habitude, il faut rallumer vos téléphones portables en partant. Daniel, je te surveille. Si tu bavardes avec du chef, tu vas te faire attirer les oreilles. Ce soir, nous avons une chance extraordinaire. Ça fait au moins 5 ans que je cours après Fabienne pour qu'elle vienne faire une conférence à l'université. Et depuis 5 ans, non, tu comprends, je suis occupé, j'ai pas le temps, je travaille la rédaction du dictionnaire. Elle est co-auteure du dictionnaire des communs. Et aussi, elle est chercheuse au CNRS. Je sais jamais si c'est chercheur ou chercheuse. Chercheuse, ça existe. Alors, cherche. Donc, elle cherche. Pendant longtemps, elle a cherché sur la propriété industrielle. Et depuis une dizaine d'années, elle s'est mise à travailler sur les communs. Et c'est depuis devenu, j'allais dire, sa passion. Mais quand Fabienne prend un sujet, elle le traite et elle lâche pas. Donc c'est vraiment un grand bonheur pour moi d'accueillir ce soir cette éminente chercheuse marseillaise qui a de nombreux déplacements, c'est-à-dire dans le monde entier, mais surtout à Naples. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une belle université, là. Il se passe plein de choses. Et elle organise aussi des événements dans le cadre du Jardin Leva, que vous connaissez certainement, qui se trouve à la Belle de Mai. C'est un ancien cloître qui a été abandonné, dont les occupantes ont quitté le lieu, et qui aujourd'hui est dans l'incertitude. On ne sait pas trop ce que la mairie voudra en faire. Peut-être le redonner aux délégations de service public à une nouvelle association, mais peut-être le laisser ouvert à la population du quartier qui a commencé à y organiser du jardin partagé, des goûters avec les gamins, enfin, plein de belles choses qui se passent dans ce lieu qui est juste à côté de la friche de la Belle de Mai. Donc c'est vraiment un lieu qui est intéressant parce que ça fait partie du poumon de ce qui peut rester de respiration, mais de respiration culturelle et de respiration écologique. Et puis c'est bien si tous les projets n'atterrissent pas à la friche, même si c'est un lieu qui a fait un énorme travail. Mais aujourd'hui, il y a trop de choses, de mon point de vue, qui se passent à la friche, ce qui empêche d'autres lieux de pouvoir bénéficier de subventions ou d'être porteurs de projets. Ce soir, Fabienne va nous parler des communs dans la cité. Eh bien, Fabienne, vous savez, si vous voulez qu'elle revienne, ce qu'il faut faire. Je vous fais passer une feuille pour ceux qui ne reçoivent pas la lettre d'information. Vous vous écrivez dessus, écrivez bien, pour que ce soit... Pardon. On ne comprend pas. Donc ça veut dire qu'il faut parler fort, c'est ça? Il n'y a pas d'écho. Non, mais le micro, c'est pour enregistrer dans la caméra, je crois qu'il ne marche pas. Très bien, on ne l'entend pas là-bas. Ouais, alors... Sam? Bon. On va trouver la... Bon, je vais peut-être juste commencer l'introduction. Vous me direz si ça va pas du tout, j'attends le micro. Vous n'entendez pas du tout là-bas? Bon, plus fort que ça, je peux pas. Hein. Ah, je sais pas, j'ai pas branché mon truc. Il y a un micro qui arrive, peut-être. Vous avez observé que la casaque au soleil est encore en travaux. Là, c'est bien. Nous aussi, ouais. Nous en profitons. C'est bon? Donc je vais tenir le micro, en plus ça va pas être pratique. Bon, donc merci beaucoup, je remercie Jean-Pierre et l'Université Populaire de m'avoir invité. C'est vrai que Jean-Pierre m'a invité depuis un petit moment et ça a été un peu compliqué de pouvoir intervenir. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y aura d'autres interventions sur ce thème-là et on s'est dit qu'avec Jean-Pierre, ça serait bien justement de continuer à déployer ce sujet-là. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est... Une introduction au thème. Alors peut-être qu'il y a des choses que vous savez déjà, certains d'entre vous, peut-être que vous ne savez pas, ou peut-être qu'on va développer des points qui seront plus... Et je vais... Alors, en introduction, si vous voulez, voilà, comment sera organisé mon... Je ne sais pas si vous y voyez en plus, parce qu'il y a le... Ça va ?
Ma présentation, le déroulé de la présentation. Alors, les communs, de quoi parle-t-on? Je pense que c'est important de faire un point là-dessus, parce que, comme vous le savez sans doute, c'est une notion qui est utilisée un peu partout, un peu par beaucoup de gens, aussi bien par des universitaires que par des militants, que par des milieux associatifs. Et c'est vrai qu'on a vraiment besoin de définition pour savoir de quoi on parle, mais surtout pour savoir de quoi on parle, mais pour donner de la puissance à cette notion-là. Donc je commencerai par l'idée, revenir dans sur une dimension historique. Les communs ont longtemps été considérés comme une tragédie, vous verrez à quoi on fait référence. Et en fait, c'est lié à plusieurs siècles, on verra pourquoi, à la prégnance en fait de l'idéologie propriétariste, et on verra de quoi il s'agit. On assiste aujourd'hui depuis quelques années à ce qu'on appelle la renaissance des communs, et c'est de ça dont on va aussi parler, et on verra que cette renaissance des communs, notamment sur le plan intellectuel et conceptuel, mais il faut partir de là pour ensuite comprendre comment il est aujourd'hui utilisé dans le milieu militant, est liée à l'apport d'une politologue et économiste américaine qui s'appelait Elinor Ostrom, et sur lesquelles on reviendra bien sûr parce que ce sont ses travaux et l'école qu'elle a créée, l'école de Bloomington, qui sont en fait fondateurs de cette notion. Pourquoi on assiste à un renouveau aujourd'hui? On verra que c'est en particulier lié à la controverse autour des questions de propriété intellectuelle et ce que certains auteurs ont appelé justement pour retourner la question de la tragédie des communs, ce qu'ils ont appelé la tragédie des anticommuns, et on verra de quoi il s'agit aussi. On verra aussi que cette renaissance du thème des communs est notamment a été initiée grâce au mouvement des logiciels libres. Et on verra que cette notion-là, en passant des logiciels libres qui ont donné des sens aux communs numériques en particulier, n'a cessé de se déployer pour arriver à l'utilisation de ce thème, notamment dans le domaine de l'urbain, avec la notion de commun urbain. Et on reviendra là-dessus, justement, et c'est ça qui va me permettre de faire le lien avec la notion de commun dans la cité, parce que dès lors que l'on parle, de mon point de vue, de commun dans la cité, c'est qu'on fait la liaison, une liaison politique, en fait, qui n'est pas réellement faite jusqu'à présent dans la question des communs d'une manière générale dans la littérature. Et puis je finirai sur ce dont Jean-Pierre a un peu évoqué, qui est l'atelier permanent itinérant Les communs dans la cité, qu'on a effectivement créé avec un certain nombre de laboratoires, mais aussi de collectifs sur Marseille. Donc, la tragédie des communs, sans doute pour ceux qui connaissent, cette tragédie des communs, en fait, elle est liée à un article célèbre qui a été publié par un fameux Garrett Hardin en 1968 dans la revue Science, qui portait ce titre-là, La tragédie des communs. Et de quoi il s'agit en fait, dans l'article d'Hardin, cette tragédie des communs, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, j'imagine que oui, non. Donc Hardin est un écologue, hein, ce n'est pas du tout un chercheur en sciences sociales, on est en 68, et son idée, c'est de dire que dès lors qu'on a affaire à des communs, lui il parle surtout des pâturages, donc un pâturage, dès lors qu'il est en commun, donc justement la question va être de savoir ce qu'on appelle être en commun, eh bien, en fait, on va assister à une tragédie de ce commun. C'est-à-dire qu'on va assister à une surexploitation de la ressource, aux végétaux, aux bois, aux forêts qui sont sur ce pâturage. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les paysans qu'il y a autour, tous les paysans qui vont posséder des troupeaux, vont en fait se précipiter sur ce fameux commun et vont en fait surexploiter la ressource. Et on va assister, de fait, à une tragédie. C'est-à-dire qu'on va assister à un épuisement de la ressource. Et donc, Hardin, les fondements qu'il y a derrière ça, c'est que, dès lors, on ne peut pas laisser cette ressource en exploitation libre parce que les hommes sont incapables de s'organiser collectivement pour gérer une ressource. Et donc, la solution, selon Hardin, c'est la propriété privée de la ressource, privatiser la ressource pour en faire un bien qui puisse être géré uniquement par le propriétaire. Et c'est uniquement quand on a affaire à un propriétaire privé et une propriété privée exclusive, en fait, que l'on arrive à des situations de ressources exploitables à long terme. Donc c'est ça la tragédie des communs. Et en fait, c'est en ce sens pourquoi les travaux d'Elinor Ostrom vont être si puissants et vont nous intéresser d'une manière forte, et pourquoi aujourd'hui il faut comprendre de quoi il retourne, c'est que grâce à ces travaux, grâce aux travaux d'Elinor Ostrom et grâce à l'école qu'elle va créer qui s'appelle l'école de Bloomington, eh bien en fait elle a renversé cette thèse qui en fait est une thèse très puissante. Ça peut sembler aujourd'hui absolument minimaliste comme idée, mais en fait, c'est une thèse qui a... Alors, au cœur de cette tragédie d'apport, vous avez compris, c'est l'idée qu'il y a une bataille sur la question de la propriété privée, et l'idée, c'est pour ça que je vous parlais d'idéologie, on va revenir là-dessus, l'idée qu'en fait, au cœur de cette bataille, il y a qu'il faut imposer la propriété privée et exclusive comme étant la propriété supérieure à toute autre forme de propriété. Et bien évidemment, propriété privée et logique de marché.
Alors, pour comprendre la portée de la tragédie des communs, moi, je trouve qu'on ne voit pas grand-chose, mais enfin, voilà, si vous le voyez, moi, je vois sur mon écran. Il faut comprendre d'où ça vient, cette tragédie. Effectivement, moi, je vous parle du papier d'Ardine de 68, mais en fait, il va revigorer une idéologie qui est prégnante au moins depuis les physiocrates, c'est-à-dire au moins depuis le XVIIIe siècle, les physiocrates étant un courant de pensée. Alors souvent, on assimile les physiocrates aux premiers économistes, mais en fait, ça a surtout été un courant de pensée relativement sectaire qui a promu en fait un certain nombre de choses au moment de la révolution agraire. Donc, comprendre cette tragédie des communs, il faut la resituer dans l'histoire et il faut comprendre que ça relève d'une profonde idéologie qui date au moins donc des physiocrates jusqu'à ce qu'on appelait l'école de Chicago des années 1970, sur lesquelles je vais revenir bien sûr. Et donc, la conception, on a ici affaire à une conception de la propriété qui est fondée, ce que je dis, sur le postulat de la propriété privée exclusive et sur une critique radicale de toute autre forme de propriété. C'est un assaut surtout, donc 18e siècle c'est les physiocrates, et donc c'est la révolution agraire, et c'est un assaut contre les droits collectifs de propriété qui sont consubstantiels des luttes violentes contre les communs, ou si vous préférez à cette époque les communaux. Vous avez tous entendu parler des communaux, donc ces fameuses terres, propriété de la commune, enfin propriété des villageois plus exactement à l'époque. Donc, ici, vous avez une citation d'une certaine historienne, Nadine Vivier, je ne sais pas si vous la connaissez, qui parle au nom des physiocrates et qui dit, à propos de ces gens, de ces villageois qui se sont battus pour sauvegarder leurs communaux et leurs droits collectifs. Eh bien, ce que pensaient les physiocrates, c'est que tous se faisaient l'écho de les réactions négatives du peuple comme un indice de l'ignorance et de la rusticité des gens accusés de méconnaître leurs intérêts ainsi que les intérêts généraux de l'agriculture. Et donc, en fait, cette position, ce courant de pensée, plus que d'être un courant de pensée, ça va complètement marquer, ça va être complètement normatif, ça va complètement avoir une force importante sur le plan politique et sur l'ensemble du système économique qui va se mettre en place alors. C'est ce qui va justifier le mouvement des enclosures des terres. Et ça, certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, 18e siècle, ça commence en particulier, ça a été fort, très fort en Angleterre, bien sûr, hein, et on va enclore toutes les terres qui étaient jusque-là, qui relevait jusque-là du droit collectif. Et donc c'est la fin des droits collectifs et c'est la fin d'un usage collectif de la ressource au nom de la propriété privée exclusive et au nom des grands propriétaires terriens. Et donc ça c'est un grand mouvement qui va inonder l'ensemble du XVIIIe siècle et qu'on va retrouver plus tard et vous allez voir comment. Et donc quand Ardine écrit son article en 1968, en fait il ne fait que reprendre ses thèses du XVIIIe siècle. Mais bien au-delà, c'est pour ça que ce n'est pas uniquement la question du papier d'Ardine de 68 qui va être important, c'est qu'en fait cette thèse-là va être reprise par le grand courant de pensée néolibérale, de l'économie néolibérale, qui est la fameuse école de Chicago, et dont un article célèbre, d'auteurs célèbres d'Emset et Alkian, qui vont écrire un article majeur à ce propos sur effectivement la suprématie de la propriété privée exclusive dans les économies contemporaines, et ça va être au cœur en fait du tournant, de ce qu'on a appelé le fameux tournant néolibéral des années 70-80. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Elinor Ostrom va effectivement, l'apport des travaux d'Ostrom, parce que vous allez voir comment elle va renverser cette thèse et comment elle va permettre en fait d'ouvrir les possibles sur comment repenser la propriété collective, comment repenser la gestion en commun des ressources et comment bien sûr ouvrir tout ce qui relève de l'action collective. Donc, l'apport de ces travaux, hein, pour dire rapidement, mais je vais revenir là-dessus, et tout d'abord, elle va redonner sa noblesse, si vous voulez, à la notion de commun en conceptualisant cette notion. Et ensuite, on va voir comment elle va la conceptualiser. Je pense que c'est important de comprendre que conceptualiser une notion à partir, vous allez voir, de travaux de terrain qu'elle va faire, à partir d'observations nombreuses sur la planète entière, conceptualiser une notion ensuite pour avoir du poids sur le plan, j'ai envie de dire, de la lutte politique, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'avoir une notion creuse sans savoir ce qu'on met dedans et juste en utiliser comme fer de lance pour un mouvement quelconque, ça n'a effectivement qu'une faible portée. Comprendre ce qu'il y a derrière cette notion et la conceptualiser, ça a beaucoup plus de force. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de soumettre à votre jugement. Et donc, en fait, elle va apporter une analyse empirique sur plein d'exemples possibles et théoriques. Et surtout, elle va appeler à... Alors, Elinor Ostrom, si vous le savez peut-être pour l'anecdote, est la première fois femme à avoir reçu le fameux prix Nobel d'économie en 2009 pour ses travaux. Donc, ça, c'est pas un vrai prix Nobel, en fait. Hein, c'est le prix de la Banque de Suez en hommage à Nobel.
Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va quand même recevoir ce prix Nobel d'économie. Et chose très intéressante, c'est que, pour la première fois dans l'histoire, c'est une femme, certes, mais en même temps, pour ses travaux sur les communs, mais je pense que le jury Nobel n'a pas eu, du prix Nobel n'a pas eu conscience de ce qu'il faisait en faisant ça, c'est-à-dire qu'en lui donnant ce prix Nobel d'économie, ça va donner, de fait, une image excessivement très importante et qui va donner un essor considérable à cette notion de commun. Je pense que si Elinor Ostrom n'avait pas eu le prix Nobel d'économie, peut-être que cette notion-là serait encore du ressort de quelques intellectuels égarés. Donc, une voie... alors, elle va notamment permettre une voie renouvelée pour penser le collectif. Il faut avoir conscience que penser le collectif, aujourd'hui, c'est très compliqué. On est soit pris dans des problématiques qui relèvent de l'État, soit dans des problématiques qui relèvent du marché. Et la notion de collectif, aujourd'hui, est relativement compliquée à penser. Par exemple, dans le droit, aujourd'hui, encore dans le droit, par exemple, la notion de propriété collective, si vous voulez, on reviendra dessus, n'existe pas. La notion de propriété collective en France, sur le plan juridique, n'existe pas. La notion de communauté aussi, vous voyez très bien cette notion de communauté sur laquelle on reviendra, c'est excessivement compliqué à penser, à conceptualiser, à imaginer, surtout en France. Et donc, grâce à ces travaux d'Elinor Ostrom, en fait, la notion de commun va être un outil pour penser l'émergence de nouveaux mouvements sociaux qui sont basés sur l'expérimentation, et on reviendra dessus à la fin, notamment à travers les communs urbains. Donc, qu'est-ce que va amener Ostrom comme apport, ses fameux apports ? C'est qu'en fait, elle va proposer une puissante critique de la tragédie des communs de Hardin, et de fait, une puissante critique à la théorie des droits de propriété de la fameuse école de Chicago dont je vous parlais tout à l'heure. Sur quoi ça va porter ? Elle va porter l'accent sur le fait que, en fait, Hardin, quand il parle de commun, de sa fameuse tragédie de commun, il parle en fait d'une situation bien précise, qui est que c'est une situation de libre accès à une ressource, donc au champ dont je vous parlais tout à l'heure, inorganisée. Libre accès inorganisé à une ressource. Et donc, c'est en situation de libre accès inorganisé qu'effectivement, on peut arriver à des situations de tragédie, d'épuisement de la ressource. Mais Hardin parle de cette situation-là, il ne parle pas d'un commun. Et qu'est-ce que c'est un commun ? Et c'est ce que va nous amener à penser Elinor Ostrom. En fait, avec ses études empiriques et sa montée en généralité, elle va travailler sur l'articulation entre propriété, gouvernance collective et communauté. Et ça va être les trois piliers fondamentaux sur la base desquels on va pouvoir penser les communs. Donc propriété, gouvernance, communauté. Alors, qu'est-ce que ça signifie en fait ? Notamment dans son ouvrage fameux de 1990 qui a été traduit en français, qui va nous apporter en fait une analyse qu'on appelle institutionnelle des communs, mais peu importe, il faut comprendre dans quel cadre elle se situe. Ces travaux vont commencer à émerger à un moment particulier de l'histoire. Rappelez-vous, je vous disais tout à l'heure, le mouvement des enclosures, c'est la suprématie de la propriété privée, on ferme les terres ici et là. Eh bien, en fait, les travaux d'Ostrom arrivent à un moment particulier de notre histoire, qui est un moment de politique d'ajustement structurel dans les pays du Sud, qui sont lancés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et donc, au cœur de ces politiques d'ajustement structurel, qu'est-ce qu'il y a ? C'est-à-dire, on aide les pays dits en développement à se développer, à condition, un certain nombre de conditions, bien sûr, et une des conditions, c'est arrêter tout ce qui relève des droits collectifs et imposer la propriété privée. C'est au cœur des politiques d'ajustement structurel, et bon, pas si loin de nous, c'est-à-dire en Grèce par exemple, vous savez très bien que les plans d'ajustement structurel qui ont été imposés à la Grèce, la première des choses que les Grecs ont eu à faire, c'est de privatiser tout ce qui relevait des biens publics. Vous voyez que les courants de pensée, les physiocrates, l'école de Chicago, ce n'est pas uniquement des courants de pensée parmi tant d'autres, ce sont de puissants outils idéologiques qui vont être à la base de tout ce qui relève de cette fameuse économie néolibérale. Et donc Elinor Ostrom va arriver à ce moment-là et va mener des tas d'études empiriques au niveau international sur des communautés partout dans le monde qui en fait gèrent des ressources naturelles. Elle va s'intéresser à des ressources naturelles. Qu'est-ce qu'on appelle par ressources naturelles ? Notamment des forêts, des lacs, des pêcheries. Il y a un beau commun ici en Méditerranée qui sont les prud'homies de pêche. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est très intéressant parce que ce sont des communs, justement, vous allez voir pourquoi, qui en fait ont perduré depuis au moins le Moyen-Âge et qui existent encore aujourd'hui. Donc c'est très intéressant. D'ailleurs, ça pourrait être pour l'année prochaine parce que je connais quelqu'un qui travaille énormément là-dessus. C'est passionnant, comme cas d'école. Donc Elinor Ostrom a travaillé sur des communs traditionnels. Est-ce qu'elle appelle... Alors, le commun, ce n'est pas la ressource. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête.
La ressource, c'est quoi? C'est par exemple une forêt. C'est ce qu'elle appelle un pool commun de ressources. Pourquoi un pool commun de ressources? Donc c'est une ressource particulière. C'est un pôle commun de ressources, pourquoi? La ressource, c'est la forêt, mais elle a des unités de ressources qui sont les arbres. Et donc, épuiser une ressource comme une forêt, c'est détruire tous les arbres. Donc c'est ça qu'on appelle des pôles communs de ressources, et c'est sur ce sur quoi elle va travailler. Ce sont des ressources particulières, où effectivement, il y a ce qu'on appelle une possibilité, une rareté, et une possibilité... ce qu'on appelle un bien rival, c'est-à-dire qu'au plus on en consomme, au moins s'il y en a pour les autres, et qui peut être aussi excluable. Donc c'est vraiment là-dessus qu'elle va travailler, et c'est la raison pour laquelle aussi tous ces travaux ont un poids très important aussi pour ce qui concerne toutes les questions environnementales, par exemple, directement. Mais qu'est-ce qu'elle va nous apporter en menant ces travaux-là? Donc elle va créer un réseau international. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas uniquement une vision académique unidisciplinaire. Ça qui est intéressant chez Ostrom, c'est qu'elle va développer tout un réseau international de chercheurs dans différents domaines qui va permettre de concevoir la notion de commun de manière complètement pluridisciplinaire. Ça, on pourra en revenir aussi dans le débat. Donc, elle va porter deux choses principales. La première, c'est une approche de la propriété en termes de faisceau de droit. Et ça, c'est essentiel, et je vais revenir là-dessus. Vous allez voir pourquoi c'est très important. Elle va réhabiliter la notion de communauté et de l'action collective, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et elle va montrer comment, en fait, la communauté, donc avec une définition particulière de la communauté, peut être productrice de règles, de ses propres règles, de gestion, qui lui sont propres, donc. Et ces fameuses règles de gestion de la communauté vont permettre, dans certaines situations, la soutenabilité de la gestion en commun des ressources naturelles. Donc elle va complètement renverser la situation d'Ardine, d'accord, en disant Ardine nous parle d'une tragédie des communs, mais en fait, quand il nous parle d'une tragédie des communs, ce n'est pas une tragédie des communs, mais c'est une tragédie dans des situations de ressources complètement ouvertes et inorganisées. Et en fait, un commun, c'est quoi? C'est une communauté, alors on va voir quelle communauté, hein, qui met en place ses propres règles de contrôle, de gestion, de gouvernance de la ressource, on va voir de quelle manière, et qui, dans certaines conditions, elle va étudier des milliers de cas, dans certaines conditions, peuvent permettre à la fois la soutenabilité de la communauté elle-même et de la ressource elle-même. Donc c'est très important, on change complètement de paradigme. Alors la propriété, c'est quoi? Si on prend le code civil français, la propriété, c'est l'article 544 qui nous dit « La propriété, le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on ne fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Ça, c'est la définition... du code civil français qu'on retrouve en fait dans la plupart des autres codes civils sur le plan du droit. Et je vous ai dit, Elinor Ostrom va complètement exploser cette notion de la propriété pour se baser sur une autre notion de la propriété qui est une notion en termes de faisceau de droit. Mais en fait, elle n'était pas une invention qu'elle va faire. En fait, elle va reprendre des travaux de juristes américains du 19e siècle, de juristes, ce qu'on appelle les juristes réalistes, et des économistes institutionnalistes, et notamment un économiste qui s'appelle John Commons, qui définissent, eux, la propriété, non pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais comme un faisceau de droit. Et qu'est-ce que c'est un faisceau de droit? C'est la propriété, vous allez voir, c'est complètement le contrepoint de ce que je vous ai dit tout à l'heure. La propriété, ce n'est pas un droit absolu, mais un faisceau de droit. Les différents droits qui la composent, qui composent ce faisceau, peuvent être distribués entre les individus et la société. Certains peuvent être publics, d'autres privés. Certains sont définis alors que d'autres restent à définir. Ça, c'est la définition que donne John Commons. Donc, ainsi définie, la propriété ne peut être que relative et distribuée. On passe d'une propriété absolutiste et exclusive à une propriété qui est relative et distribuée. Elle se compose donc de plusieurs droits ou attributs indépendants dont la nature et la distribution varient en fonction de l'évolution des sociétés et des rapports de force en présence. En fait, c'est essentiel, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'origine de cette notion de propriété en termes de faisceau de droit, ça, ce qui est important, c'est de se dire que, je ne sais pas, depuis... c'est complètement casser nos schémas de pensée pour penser la propriété différemment. C'est compliqué. Mais il n'empêche que l'enjeu, il est là. On verra bien que le socle, c'est penser différemment la propriété, non seulement la penser, mais en plus lui donner une vie concrète différente, mais aussi d'autres notions. Et donc, pourquoi je reviens sur les origines de cette notion de faisceau de droit? Parce qu'en fait, aux origines, donc, il y a ces fameux économistes et juristes américains dont je vous parlais,
mais c'est lié au fameux courant progressiste des années du fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et qui en fait vont être au cœur de la politique du New Deal de Roosevelt. Donc ça va complètement changer, si vous voulez, la manière de concevoir la politique publique aux États-Unis à ce moment-là. Et donc c'est un courant très important qui va s'attaquer au courant du laisser-faire. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ce courant du laisser-faire, c'est laisser-faire le marché. Et donc dans ce laisser-faire le marché, il y a les fameuses lois naturelles de marché. C'est le marché qui est régulateur de la société et qui conduit à la justice sociale. Et un des piliers fondamentaux de ce courant du laisser-faire, c'est le respect absolu de la propriété conçue comme un droit naturel. Et donc ça veut dire aussi que intervention minimale de l'État dans cette manière de concevoir l'économie et la politique, et rejet de toute limitation à l'exercice des droits de propriété. Donc c'est pour ça que la manière de penser la propriété en termes de faisceau de droit va être une révolution conceptuelle majeure aux États-Unis, parce que la propriété n'est plus un droit absolu dans cette perspective-là, mais un droit absolu d'une personne sur une chose, mais un faisceau de droit, des règles entre les personnes à propos des choses. C'est surtout que ça permet de penser la propriété comme un rapport social fondé sur des relations sociales et de pouvoir. Penser la propriété comme une relation sociale et de pouvoir, ce n'est plus du tout penser la propriété comme un droit naturel absolu d'une chose sur une personne. D'une personne sur une chose. Donc, j'en reviens à Ostrom, parce que c'est quand même un peu ardu peut-être ce que je vous raconte, mais ce qui est important, c'est comment Ostrom en fait va mobiliser cette notion de propriété comme faisceau de droit à partir de ses observations. Donc elle va aller sur le terrain, regarder comment les communautés fonctionnent et comment elles gèrent des ressources naturelles. Et donc elle va s'apercevoir en fait qu'effectivement, la propriété, c'est pas un droit absolu, c'est plusieurs droits qui sont distribués entre les différentes personnes, et que quand on a affaire à un commun, ces droits, alors les droits qu'elle va observer, elle, ce sont les droits d'accès, les droits de prélèvement, parce que vous rappelez, on est dans un cadre un pool commun de ressources, donc comment on peut prélever un poisson, qui peut le prélever, comment, sous quelles conditions, donc les droits d'accès, qui peut accéder à la pêcherie ou à la forêt, donc il y a le droit d'exclusion, sous quelles conditions on y accède, le droit de gestion, le droit de contrôle. Donc elle va repérer 5 droits, en fait, qui vont être organisés par la communauté elle-même, qui va permettre, en fonction de la manière dont la communauté s'organise, permettre de gérer d'une manière efficace cette ressource. Et donc, cette propriété conçue comme faisceau de droit, en fait, elle va être à la base de l'auto-organisation, voilà, on arrive à un deuxième mot important, auto-organisation, auto-gouvernance, des hommes et de la gestion collective de la ressource. Donc, je vous ai dit, les droits qu'observe Ostrom, accès, prélèvement, gestion, exclusion, aliénation, et ce sont des droits qui sont majoritairement élaborés par la communauté elle-même. Mais ces droits ne sont pas forcément retenus par l'ensemble des membres, hein, donc on peut avoir des différentes formes, et certains droits peuvent être du domaine de l'État, et certains droits du domaine de la collectivité, de la communauté. Donc ça va donner certaines formes multiples, mais ce qui est important, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on va retenir de la définition des communs, et comment, du coup, là je passe à, vous voyez ces diapositives qui vont suivre, les trois qui vont suivre, je les ai prises, elles datent de 2013 déjà, mais c'est le réseau francophone des biens communs, qui est un réseau constitué de... Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est... Je fais des digressions, mais c'est important, parce que pendant très longtemps, on a... Comment on traduit « commons » en français? Alors, au début, en France, on l'a traduit par « bien commun », sauf qu'on ne le traduit plus par « bien commun ». On le traduit par « commun », parce qu'en vérité, quand vous dites « bien commun », vous vous référez à un bien commun. Mais du coup... Ça n'englobe pas toute la question de la communauté et comment la communauté va gérer le bien, la ressource ou même quelle. Donc, c'est la raison pour laquelle au début on a traduit commons par bien commun, mais aujourd'hui on le traduit par commun. En réalité, commons c'est communaux en français, mais traduire communaux, ça reste très marqué puisque justement ça reste exclusivement du champ de l'agriculture et des ressources naturelles. Et vous allez voir, on est passé bien au-delà de ces questions-là. Donc, réseau francophone des biens communs, aujourd'hui ça ne s'appelle plus comme ça, mais c'est pour vous dire comment. Donc c'est un réseau d'activistes, mais qui lie aussi des chercheurs en sciences sociales. Et comment définissez-vous, vous voyez, c'est intéressant, ce réseau francophone des biens communs dès 2013,
les communs avec cette fameuse communauté qui est locale ou décentralisée, on reviendra plus tard. Une communauté qui gère les conditions d'accès à la ressource, qui organise son renouvellement et la préserve contre les éventuels risques qui la menacent. Donc vous voyez, communauté, ressources. Et la communauté s'auto-organise en reprenant ou en inventant son mode de gouvernance. Donc c'est ça, c'est quand même les trois grands piliers. La ressource, qui n'est pas elle-même le commun, mais la ressource qui va être mise en commun ou gérée en commun. La communauté qui va se former autour de cette ressource. Et ensuite, son mode de gouvernance selon cette fameuse distribution des droits, de manière collective. Donc je vous disais, Ostrom va s'intéresser, là je vais un peu passer vite, sur... C'est bien beau de dire, bon, vous voyez à quoi on peut faire référence, l'auto-organisation c'est bien et ça peut conduire à des choses. Oui, mais sous quelles conditions l'auto-organisation peut d'abord émerger, c'était une vraie question, hein, au-delà de la question des communs, et comment ensuite elle peut être durable? Et donc c'est encore ça, une fois de plus, la force des travaux d'Ostrom et une fois de plus des chercheurs, multiples chercheurs qui ont travaillé avec elle et qui continuent de travailler avec elle. C'est ce qu'ils ont, ils ont pu se rendre compte sur la base d'observations de centaines et de milliers de cas, quelles étaient les régularités qui permettaient de dire sous quelles conditions eh bien, une communauté peut gérer en commun une ressource de manière durable. Et donc il y a un certain nombre de points, notamment le fait qu'une communauté et les ressources soient clairement définies. Qui sont les membres de la communauté, qui est la ressource. Et ça, vous allez voir, c'est très important parce que justement, on est en train d'essayer de relâcher ce cas particulier qui est que, justement, quand on reparle des communs dans la cité, parce qu'on reparle des communs dans la cité, du coup, on va avoir affaire à la communauté politique, on ne va plus avoir affaire à la communauté d'une ressource naturelle. Donc, c'est quoi cette communauté? De quoi on parle? Mais aussi de cette ressource clairement définie. Et vous allez voir que dans d'autres cas, par exemple, dans le cas des communs de la connaissance, ce n'est plus la même chose. Donc c'est important. Et puis bon, un ensemble de critères. Une chose importante aussi, quand même, que la communauté doit avoir une connaissance fine de la ressource qu'elle gère. Et c'est la raison pour laquelle vous prenez le cas des prud'homies de pêche, par exemple. Vous interrogez les pêcheurs qui sont dans ces prud'homies de pêche. Personne n'a une connaissance aussi fine des poissons, de la mer, et c'est que parce qu'ils ont cette connaissance-là qu'ils sont à même, enfin, une des conditions, de gérer la ressource à des fins durables et pour eux-mêmes. Bon, je passe là-dessus de manière assez... parce que sinon, on n'aura pas le temps de tout voir et je vais vous ennuyer. Origine, maintenant, donc, Ostrom, vous avez vu, on parlait... Bon, bien sûr, hein, ces travaux sont toujours vivants et ils sont fondateurs. Mais pourquoi on assiste aujourd'hui à un renouveau de ce thème qui va bien au-delà de la question des ressources naturelles? Il y a deux points importants. Le premier, c'est la montée en puissance de la propriété privée exclusive, mais cette fois dans le domaine de l'immatériel, et je vais revenir là-dessus. Et un deuxième point qui est important, de mon point de vue et sur lequel je finirai, c'est ce que j'ai appelé, moi, la montée de l'État propriétaire, qui est en fait à mettre en relation avec le processus de privatisation des biens publics qui a conduit à ce qu'on peut appeler une crise démocratique. Et c'est en ce sens-là que le renouveau des communs prend son sens, c'est-à-dire que c'est en contrepoint à une contestation à ces deux piliers fondamentaux que le thème est en train de réémerger. Alors, juste pour aller vite sur la question de la tragédie, sur la question de la montée en puissance de la propriété intellectuelle. Vous avez sans doute tous entendu parler de la brevetabilité du vivant, des accords de libre-échange internationaux au sein de l'Organisation mondiale du commerce qui oblige les pays du Sud à breveter, par exemple, les médicaments. Alors, jusque-là, c'était quelque chose de non reconnu par le droit. Donc, en fait, ça vient de là. On assiste à partir des années 90 à un renforcement de tout ce qui concerne la propriété intellectuelle, des droits d'auteur, de la propriété industrielle. Et donc, c'est ce que certains auteurs américains ont appelé la tragédie des anticommuns. Vous voyez, ils prennent le contre-pied de la position d'Hardin dans le domaine de la connaissance. Pourquoi? Parce que c'est à force de renforcer la propriété intellectuelle. On va prendre le cas du génome humain. On a pu, grâce à des changements profonds de la doctrine juridique qui a commencé aux États-Unis et qui s'est diffusée de par le monde, pouvoir breveter le génome humain par petites séquences, avec pouvoir déposer des brevets sur des gènes humains. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Si vous avez la connaissance, c'est le génome, admettons. Mais si vous avez des brevets sur des morceaux, des centaines de morceaux de génome que constituent les gènes, donc un brevet, c'est quoi? C'est une propriété exclusive par le détenteur du brevet de cette connaissance. Eh bien, cette connaissance qui à l'origine était commune et à partir de laquelle les chercheurs, les scientifiques peuvent mener
des recherches pour développer de nouveaux médicaments ou de nouveaux diagnostics, eh bien cette connaissance est fractionnée en autant de monopoles et en tant de propriétés privées qui, en fait, empêchent le développement de l'innovation et de la recherche biomédicale. Et donc, ça donne naissance à ce qu'ils ont appelé une tragédie des anticoagulants. Donc, juste pour vous donner un exemple, ici, c'est en anglais, mais c'est le fameux gène de susceptibilité au cancer du sein et de l'ovaire qui a été, en fait, un des premiers gènes brevetés aux États-Unis. Et donc, ce brevet, ce gène, donc dans ce gène de prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire, comme son nom l'indique, il prédispose certaines personnes qui portent dans leur patrimoine génétique des mutations génétiques de ce gène à développer ces maladies-là de manière plus importante que la population générale. Et bien, dans ce brevet, qu'est-ce qu'il y a? Il y a non seulement les détenteurs de ce brevet ont un monopole, donc une propriété exclusive sur le gène lui-même, sur l'ensemble des mutations que comporte ce gène, sur les inventions futures liées à ce gène qui peuvent être à la fois thérapeutiques mais aussi diagnostiques, avant même d'ailleurs que ces inventions aient été développées. D'accord? Donc ça donne ce qu'on a appelé à des brevets larges et à large en amont, donc, de l'invention et à large spectre, puisque ça concerne à la fois la découverte scientifique elle-même et aussi toutes ses applications futures et potentielles. Donc on voit à peu près à quoi correspond la tragédie des anticoagulants. Donc je passe sur la diffusion à l'international de cette norme en matière de propriété intellectuelle, hein, puisque c'est ce qui a été diffusé partout dans le monde, pour passer à cette, donc en contrepoint, la renaissance des communs et donc l'apport en particulier du mouvement des logiciels libres. Et vous allez voir que c'est un rapport complet, parce que au-delà de la brevetabilité du vivant, par exemple, on a assisté à la montée en puissance des logiciels propriétaires, notamment avec Microsoft. Et donc tout un courant de pensée et d'activistes vont se développer à ce moment-là, et c'est ce qu'on a appelé le mouvement des logiciels libres, un courant de pensée de ce qu'on appelait les communs de l'Internet, avec des gens comme Stallman, certains d'entre vous connaissent, mais encore Benkler ou Lessig, qui sont des juristes américains, qui vont s'opposer farouchement au modèle propriétaire de Microsoft, avec l'idée de « il faut ouvrir le code source et autoriser la production collective et le partage de ce code source ». Parce que si on... En fait, vous savez, le modèle de propriétaire de Microsoft, c'est on verrouille le code source, on est propriétaire du code source, donc personne ne peut toucher le code source et on a le monopole, en fait, de nos logiciels. Et donc, c'est sur cette base-là que vont être inventés les logiciels libres. Et quand on dit logiciel libre, je ne sais pas si vous le savez, mais ce n'est pas libre de propriété. Au contraire, ils vont utiliser... Alors, dans le cadre des logiciels, la propriété, c'est le droit d'auteur qui prédomine. Mais en fait, dans le cadre des logiciels libres, ils vont utiliser les droits d'auteur, mais non pas à des fins d'exclusion, mais ils vont inventer la propriété inclusive. Ils vont subvertir le droit d'auteur pour en faire une propriété inclusive et de partage. Ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, ils vont rendre accessible le code source, mais sous certaines conditions, alors, une ensemble de communautés qui va se former, mais n'importe qui aujourd'hui peut... Mais bon, en même temps, vous savez très bien, pas n'importe qui en pratique va pouvoir accéder à ce code source, encore faut-il s'intéresser au sujet, être programmateur et ça, mais l'ensemble de la communauté des programmateurs peut avoir accès à ces fameux codes sources et modifier le logiciel en question, mais sous condition de remettre en accès libre la modification avec un ensemble de directives de ce qu'ils ont appelé les quatre libertés sur lesquelles, liberté d'exécuter, d'étudier, de redistribuer et de distribuer les versions modifiées. Donc, là aussi, vous voyez, on a affaire à une propriété qui est sous forme de faisceau de droit. Là, en l'occurrence, ce sont les libertés liées au droit d'auteur en matière de logiciels libres, mais en subvertissant complètement la propriété. On ne veut pas de propriété, hein, mais c'est au contraire, on utilise la propriété, mais à des fins d'inclusion. Donc, vous voyez quand même l'importance de ce mouvement. Donc, je passe vite là aussi, parce qu'il va s'étendre. Deuxième mouvement d'extension, c'est la naissance des Creative Commons, dont vous avez probablement tous entendu parler, ou du moins vous connaissez les licences. Certaines licences que l'on voit sur le bas des œuvres artistiques et littéraires, ou j'aurais pu en mettre une par exemple sur ma présentation, avec j'autorise sous certaines conditions la réexploitation, l'usage, la distribution de mon travail. Donc ce sont ces fameuses licences Creative Commons. Vous regardez peut-être, vous voyez ces espèces de hiéroglyphes là, vous en avez certains d'entre eux. Ce sont ce qu'on appelle les fameux Creative Commons, qui sont basés sur la même philosophie que le logiciel libre, mais dans le domaine créatif et artistique. C'est la même chose, on a affaire dans ce cas-là à la création de nouvelles communautés, ce qu'on appelait les communautés épistémiques en ligne, et bien sûr vous les connaissez, Wikipédia c'est une vraie communauté épistémique en ligne,
Bien sûr que tout le monde se sert aujourd'hui de Wikipédia en tant qu'utilisateur pour avoir accès à la connaissance qui est produite par Wikipédia, mais derrière Wikipédia, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une communauté en ligne, très organisée, là aussi, il pourrait y avoir tout un débat là-dessus. Bien sûr, c'est compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails, mais n'importe, une fois de plus, que vous soyez... Je peux participer à Wikipédia, vous pouvez participer à Wikipédia, seulement il y a des conditions pour y participer. Et il y a un contrôle très strict qui est mis en place par la communauté pour ne pas reproduire n'importe quelle connaissance. D'accord ? Donc une communauté épistémique en ligne. Je continue, Microsoft, vous connaissez aussi Mozilla, j'avance. Alors déjà, on voit par rapport aux communautés d'Ostrom, on a une différence très significative. Laquelle, en fait, hein, c'est que la ressource ici, c'est la connaissance. Et dans le cas d'Ostrom, vous vous rappelez, c'est des ressources naturelles, donc elles sont rivales. On peut exclure certaines personnes de cette connaissance, ou en tout cas, si on prend un arbre, l'arbre n'est plus disponible pour l'autre personne qui est à côté. Dans le cas de la connaissance, c'est tout l'inverse, elle est non rivale. D'ailleurs, au plus on en produit, au plus il y en a. Elle est produite par les pairs, ce qu'on appelle par les pairs. Mais surtout, elle est basée sur des productions de règles qui sont basées sur le libre accès et le partage de la connaissance. Donc, c'est une connaissance qui est ouverte à tous. Et vous vous rappelez, chez Ostrom, il y a la nécessité d'exclure, justement, alors, repartir de sur la notion. Donc, ce sont des communautés qui sont ouvertes. Et donc, la ressource, dans ce cas particulier, des communautés épistémiques, est une ressource pour tous et produite par tous. Donc, ici, on a affaire, effectivement, à l'idée d'inclusion, contrairement à celle d'exclusion. Alors, maintenant, combien il me reste ? Longtemps. Alors, si on passe maintenant, j'espère que jusque-là, ça vous va, on est passé de l'histoire de la tragédie des communs, chez Erdin, la dimension néolibérale de l'affaire, on passe au commun de la connaissance. Maintenant, si on place, et moi c'est ce sujet-là, parce que c'est quand même les communs dans la cité, mais c'est ce long processus en fait qui nous permet d'arriver jusque-là, c'est que si on place cette notion de commun dans la cité, ben, de quoi on a affaire ? À quoi on a affaire ? Et on a affaire encore à une autre dimension, qui est celle que j'évoquais tout à l'heure. C'est que de mon point de vue, partir d'un point particulier qui est ce fameux processus accéléré de vente et de privatisation des biens, mais aussi des espaces et des services publics, dont tout le monde, bien évidemment, est au courant aujourd'hui. Mais pourquoi étudier prendre en considération ce processus-là à l'aune des communs ? Mais enfin, en fait, c'est que analyser cette dimension du processus de privatisation à l'aune des communs, c'est ce que j'ai envie de vous montrer maintenant. Ça va permettre d'éclairer ce que j'ai appelé le basculement d'un état social, ce qu'on a appelé l'état social. Il en reste encore des rudiments, mais il n'empêche qu'il est en train de disparaître au profit d'un modèle d'état propriétaire, d'état mais aussi d'institutions publiques propriétaires. Et donc, je vais vous montrer pourquoi. Mais en même temps, ce basculement, c'est ce basculement, selon moi, qui nous fait dire qu'on assiste aujourd'hui à une césure démocratique, c'est-à-dire qu'on assiste à un changement de nature de l'État démocratique, hein, on est toujours dans un État démocratique, ça, enfin, je vois des sourcils qui se lèvent, mais il n'empêche, comparé à certains, avec cette idée d'appropriation par l'État des biens de la communauté politique, et c'est ce processus-là qui va conduire à un processus de privatisation dans un second temps. Et donc, on assiste à une crise du modèle de démocratie et de gouvernement représentatif de mon point de vue. Alors, réinvestir la cité à l'aune des communs, c'est d'abord repartir de l'idée de cité, qu'on va définir de manière très schématique, hein, comme étant la communauté politique. Donc, oui, on reprend les mêmes thèmes, mais ici, on a une communauté politique dont les membres se gouvernent eux-mêmes. Donc, toute la question va être de savoir qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas précis, qu'est-ce que nous apportent les communs aujourd'hui dans cette idée de se gouverner nous-mêmes. Mais en fait, c'est en s'intéressant aux expérimentations qui visent la réappropriation par la communauté politique de ses biens, c'est pas CCES mais SES, de ses biens, que cette notion, cette idée-là va nous intéresser. Et on va s'intéresser aux nouvelles formes de redistribution des pouvoirs entre l'administration, les élus, les citoyens, et nouveaux modes de gouvernement démocratique des biens, des lieux et des services publics. Et c'est ce que le mouvement appelé commun urbain va pouvoir nous enseigner, ou en tout cas sur lesquels on va pouvoir travailler pour justement repenser cette appropriation citoyenne des biens et des services publics. Alors il faut revenir, pour comprendre ce basculement dont je vous parlais tout à l'heure, c'est pour ça que l'histoire compte, c'est important, parce que si on parle uniquement aujourd'hui de la question de la privatisation
sans essayer de donner, tenter d'en donner une interprétation de mais comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui rend possible ce processus-là, bien, je pense qu'on passe à côté d'un certain nombre de choses qui nous permettent justement de penser l'alternative. Donc c'est la raison pour laquelle il me semble important de revenir aux origines. Et comprendre ce basculement, hein, bon, on peut ne pas être d'accord avec mon idée de basculement vers un État propriétaire, mais en tout cas, c'est certains éléments que j'aimerais apporter, c'est revenir aux racines. Et si on revient aux racines des biens publics, parlons des biens publics, mais on peut aussi parler des espaces publics, des lieux publics. Et aux racines, il y a cette notion du droit romain qui est les res publicae, c'est-à-dire dans le droit romain qui désigne les choses qui appartiennent au peuple ou qui appartiennent à la communauté politique. Mais bien évidemment, il y a un lien direct avec la notion de res publica, qui est la chose publique, qui renvoie, elle, à l'organisation politique, au gouvernement libre des affaires de la cité. La chose publique, encore, comment on peut la définir? Les affaires de la cité, tout à la fois le patrimoine de la communauté politique et ses affaires. Donc, si on revient à la notion de droit romain, je vais vous faire quand même des voyages un peu sinueux, mais il n'empêche que, bon, ça va? C'est pas désagréable. Bon. Si on en revient à la notion de res publicae du droit romain, il y a un historien du droit, un très bon historien du droit, Yann Thomas, qui est décédé récemment, qui est un des rares d'ailleurs à avoir travaillé sur le droit romain et avoir mis en perspective la notion de public dans le droit romain, parce que souvent on a tendance à considérer que le droit public, que le droit romain a en particulier inventé la propriété privée. Or, il y a des tas de choses dans le droit romain qui nous disent totalement l'inverse. Et donc, les res publicae dans le droit romain, c'est leur qualification juridique et leur catégorisation ne relèvent pas de leur nature intrinsèque. D'accord ? Une chose publique, un bien public, c'est pas parce que par nature, il y a quelque chose qui fait qu'il est public. Non. Mais c'est un acte éminemment social, un procès, un moment de débat et de confrontation. C'est la communauté politique qui va décider de ce qui est un bien public et ce qui ne l'est pas. Et donc le statut des res publicae n'est pas fondé sur la nature propre, mais qui est, c'est quelque chose qui est institué comme tel pour les soustraire au commerce et pour les affecter à l'usage du public. Si je dis ça aussi, c'est surtout en tant qu'économiste, dans la théorie économique classique, on nous dit un bien public, un bien, les biens publics sont publics parce que dans leur nature, il y a quelque chose qui fait qu'ils ne sont pas appropriables. Et donc, comme ils ne sont pas appropriables, il faut que le marché est défaillant, et donc il faut que ce soit l'État qui le prenne en charge. Vous voyez ? C'est pas pareil de dire que c'est pas la nature du bien qui fait qu'il est public ou pas, mais c'est justement ce que va en décider la communauté dans son entier. Donc, dans le droit romain, ces choses étaient dites publiques, nous dit Yann Thomas, en ce sens que précis, qu'elles étaient librement accessibles à tous, comme si chacun des membres du populus eût sur elles un droit attaché à cette qualité de citoyen, imputé à ce qu'il y a de public dans sa personne, comme si chacun fût porteur d'une double personnalité, privée et politique, et qu'à ce second titre, les choses de la cité lui appartenaient à lui, comme à tous, mais inaliénablement. Et donc, à l'époque républicaine, de la Rome républicaine, nous explique Yann Thomas, il n'était pas de consécration qui opérait sans ordre du peuple, la nécessité d'un vote populaire était constamment rappelée. Donc, les choses publiques, c'est ce qui lie, dans le droit romain, le citoyen avec les affaires de la cité. Il a un usage public, il est inaliénable, il est inappropriable et il est attaché aux droits des gens et aux principes républicains. Donc bien sûr, je vais très vite, mais c'est juste pour avoir quelques notions. Nous étions dans le droit romain et je fais un grand pas, et si un historien m'entendait, je pense qu'il s'arracherait les cheveux, j'espère qu'il n'y en a pas parmi vous, mais n'empêche que c'est pour montrer le processus dans lequel nous sommes, la Révolution française. La Révolution française va inventer l'idée de propriété nationale. Et qu'est-ce que c'est que cette propriété nationale? Il y a tout un débat au moment de la Révolution française, dont vous avez sans doute entendu parler, qui va concerner l'inappropriabilité des biens du domaine national. C'est ce qu'on va appeler par la suite le domaine public. Et il y a une loi du 22 novembre et du 1er décembre 1790 qui va inventer la propriété nationale ou la propriété de tous. Et c'est quoi la propriété nationale et la propriété de tous pendant la Révolution française? C'est une propriété collective des nationaux eux-mêmes, en même temps que de l'humanité tout entière. Alors ça, une fois de plus, il y a des travaux de très grands, enfin d'historiens de la Révolution française en particulier, je pense à Yannick Bosque, Florence Gauthier, ou encore Marc Bélissa, qui ont énormément travaillé sur cette période-là. Ce qu'il faut retenir, que la nation,
la Révolution française a créé la nation, mais la nation, en fait, la nation révolutionnaire, elle est fondée sur l'universalité et non pas sur la nation-État comme on le conçoit désormais. Donc on est sur une conception de la nation qu'on a complètement oubliée, qui n'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc la propriété nationale dans cette définition au moment de la Révolution française, ce n'est pas la propriété de l'État. Et ce qui est d'autant plus important à signaler, c'est que la notion d'État propriétaire est complètement impensable. Un État ne peut pas être propriétaire parce que c'est complètement incompatible avec les fonctions d'utilité publique et d'affectation à l'usage de tous. Ce point est très important. Donc la propriété nationale est une propriété de tous au sens de propriété de l'humanité au moment de la Révolution française. C'est une notion qui va être complètement dévoyée, et vous allez voir comment, notamment avec l'avènement de l'État-nation, on est au XIXe siècle, et la création juridique de ce qu'on appelle désormais le domaine public. Mais à ce moment-là, et donc c'est les travaux d'un juriste qui s'appelle Proudhon, Jean-Baptiste Proudhon, c'est pas forcément le même Proudhon que vous connaissez, qu'on a l'habitude de connaître, et qui va lui catégoriser cette idée de domaine public, mais on est toujours dans l'idée que l'État ne peut pas être propriétaire, mais pour d'autres raisons en fait. Le domaine public, nous dit Proudhon, appartient au public. Et le droit de l'État est d'administrer ce domaine en faveur du public et pour son compte. Et donc le public ici est défini comment ? Il est défini par Proudhon, par un être collectif et moral, une expression qui désigne tous ceux qui ont la liberté de jouir du domaine affecté à leur usage, c'est-à-dire concrètement à tout le monde, ou encore personne, c'est-à-dire n'importe qui, y compris les étrangers, nous dit Proudhon. Mais, à la grande différence de la Révolution française, la notion de public, qui était en fait rattachée à la citoyenneté et l'affaire de tous, comme cela était en fait les principes du droit romain que j'ai, notamment au moment de la Rome républicaine, le public ici a complètement changé de statut dans le cas de Proudhon. Le public est un public sous tutelle, parce que le public est incapable d'exercer lui-même les actes qui requièrent la conservation de son domaine, et c'est bien pourquoi l'administration de ce dernier est confiée à l'État, qui exerce ses droits au nom du public. Donc vous voyez, on bascule complètement vers l'idée, on est à la Révolution française avec la notion de citoyen actif, on peut dire citoyen actif, avec l'idée de domaine public comme étant la propriété de tous et l'affaire de tous, un public sous tutelle. Effectivement, les domaines publics et la propriété du public, ce n'est pas la propriété de l'État, ou bien la différence entre État et public, c'est intéressant, puisque vous allez voir qu'on va passer à autre chose désormais, mais que par contre, le public est incapable de gérer ses propres affaires, son propre domaine. C'est la raison pour laquelle cette idée d'État gardien est avancée. L'État, on donne à l'État le droit d'administrer le domaine du public. Troisième et dernier mouvement, donc, c'est l'offensive propriétariste. Parce que 19e siècle, Proudhon, on est toujours dans l'idée selon laquelle le domaine public est propriété du public. Propriété d'État n'existe pas. C'est ce qu'on a appelé l'offensive propriétariste, c'est l'avènement de l'État propriétaire, dont je vous parlais tout à l'heure, par le truchement, enfin c'est des termes juridiques, de ce qu'on a appelé le droit subjectif. C'est un moment particulier dans l'histoire, c'est la redéfinition du droit administratif et de l'État, donc c'est très important, là aussi on passe très vite, mais il y a une figure de proue, un grand juriste français qui est Maurice Oriou, et qui en fait va développer une théorie de l'État sur le principe de l'État comme personnalité juridique. Et donc, à partir de ce moment-là, on va concevoir l'État comme pouvant avoir une personnalité juridique. Et dès lors que vous concevez l'État comme ayant une personnalité juridique, vous lui octroyez tous les droits qu'une personne peut obtenir, et dont en particulier le droit de propriété, qui est le droit subjectif par définition. Et donc, ça va être quelque chose... Donc c'est 19e siècle, hein, on n'est pas... C'est un courant de pensée très important, c'est restructuration du droit administratif, mais c'est pas au 19e siècle qu'on va créer la propriété d'État, en fait. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va reconceptualiser la propriété nationale révolutionnaire, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la propriété de tous, en propriété de l'État.
Et c'est en ce sens que souvent on fait des amalgames entre, et c'est comme quand on amalgame l'idée de code civil, la propriété privée comme relevant de la Révolution, la propriété civile, la propriété privée telle que définie par le code civil comme étant le résultat de la Révolution française, c'est un amalgame très important parce que le code civil, ce n'est pas la Révolution française. Il y a tout un travail de codification a été opéré avec des dévoiements qui ont été très importants. Et donc là, ce qui va se passer par le truchement juridique, c'est-à-dire que la propriété nationale de la Révolution française va se transformer en propriété de l'État. Alors, la figure de l'État, personne morale propriétaire des biens du domaine public, en fait, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où vous acceptez que l'État puisse être propriétaire des biens publics, des biens du domaine public, eh bien, vous substituez le public par l'État. Le public se substitue à l'État, ou l'État se substitue au public. Et donc, il va s'opérer ce que un collègue juriste à moi a appelé un coup de force discret mais ferme, c'est que non seulement l'État s'approprie les biens du public, mais il prend littéralement sa place. Et donc, ce qui est important aussi, ce coup de force discret mais ferme, est à resituer dans la lutte politique et idéologique pour la définition de l'État sous la Troisième République. À ce moment-là, on assiste à une opposition violente des tenants du droit subjectif de l'État, dont je vous parlais tout à l'heure, dont l'objectif visait à consacrer le pouvoir administratif contre le suffrage universel, c'est la Troisième République, d'accord ? Et contre donc les républicains défenseurs de la souveraineté parlementaire. Donc c'est important, c'est une longue histoire, bien sûr, là je passe très vite, mais cette question de État propriétaire versus renforcement du droit administratif versus droit parlementaire se joue ici dans la définition de l'État propriétaire. Et donc, pour les défenseurs du droit subjectif de l'État à cette époque, hein, la démocratie, nous dit la démocratie, donc, devenait secondaire par rapport à l'État. Elle le mettait même en danger, nous dit Robert Foulquier, un autre juriste qui a travaillé sur ce sujet-là. Pour Maurice Oriou, donc Maurice Oriou, c'est le fameux juriste qui est défenseur de l'État propriétaire, les affaires publiques n'étaient pas du ressort du peuple. Tout au plus, le peuple n'avait plus qu'un pouvoir d'approbation tacite, le Parlement un pouvoir délibératif et le pouvoir décisif appartenait à l'exécutif. Donc on est dans une configuration qui nous rappelle quand même quelque chose. C'est effectivement, ça peut nous rappeler quelque chose, puisque en fait la consécration de la propriété de l'État sur le domaine public est très récente, parce qu'en fait elle date de 2006, avec la naissance du Code général de la propriété des personnes publiques. Et en France, ce n'est que depuis 2006 qu'il existe ce qu'on appelle une propriété publique, mais qui en fait est une propriété de l'État sur le domaine public. Et donc, que nous dit ce Code général de la propriété des personnes publiques, pour aller très vite? C'est un bien n'appartient au domaine public que s'il appartient à une personne publique. Et les choses qui sont à l'usage de tous ne peuvent relever du domaine public et sont des choses communes. Donc, vous avez un renversement complet de la chose, c'est-à-dire que les res publicae, les choses publiques, les biens publics, qui étaient publics parce qu'appartenant à tous, désormais, nous ne sommes plus du tout dans la même définition. Ces choses publiques appartiennent, ne peuvent être publiques que si elles appartiennent à une personne publique. Et donc, on assiste, c'est peut-être un peu compliqué, surtout après tout ce chemin que j'ai fait, mais on peut en revenir dans la discussion. On assiste à un effacement du principe d'inappropriabilité, d'accord ? Ici, on a inappropriabilité possible des biens publics, parce que l'État et les collectivités territoriales, les établissements publics peuvent s'approprier les biens publics, qui étaient attachés jusque-là à la citoyenneté. Donc, bien sûr, hein, le domaine public et les propriétés de l'État sont sous un régime particulier. L'État ne peut pas se comporter comme une personne privée complètement. Il existe des logiques administratives qui font qu'effectivement l'État ou une collectivité publique ne peut pas vendre par exemple un bien n'importe comment, mais il n'empêche que on assistait à un déverrouillage progressif et constant. Après l'inappropriabilité, on assiste à une volonté marquée de circonscrire à la portée de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité des biens publics dans la perspective, de fait, de leur valorisation économique, de leur privatisation et de leur vente. Donc, si vous voulez, on a assisté à un basculement du régime du domaine public vers un régime de propriété privée pour les biens relevant du domaine public. Donc, dernier point,
qui nous amène à nos fameux communs urbains. Et là, j'en ai pas pour très longtemps, puisque c'est juste pour vous expliquer comment, en fait, c'est le deuxième point important. L'éco, si on revient à notre idée de commun dans la cité, est-ce que ce mouvement des communs urbains sur lequel je vais revenir peuvent être un élément, une voie de reconquête démocratique? Si on est d'accord avec l'idée qu'on a assisté à une césure démocratique avec l'avènement d'État propriétaire, hein, ça on peut en discuter, mais en tout cas c'est cette idée que je propose. Est-ce qu'on peut assister à une reconquête démocratique des fameuses res publicae du droit romain? Et donc là il y a un exemple assez intéressant, c'est l'exemple italien d'où Naples, et pas seulement. L'exemple du mouvement italien pour les biens communs, du coup, parce que là c'est beni comuni, mais une fois de plus, comment on traduit beni comuni en français? On va y traduire bien commun, mais c'est pas ça, en fait. Il faut bien les traduire. Donc, juste rapidement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce mouvement italien. C'est 2007. C'est un mouvement social se constitue en réaction à l'offensive de Silvio Berlusconi de privatiser l'ensemble des services publics locaux, et en particulier les services hydriques. Et à ce moment-là, on a un très fort mouvement qui s'oppose à cette privatisation des services publics. Et vous savez qu'en Italie, il y a la possibilité, sous certaines conditions, de lancer des référendums d'initiative populaire. Et donc, un référendum d'initiative populaire est lancé à ce moment-là en Italie contre la privatisation de l'eau, qui va remporter un franc succès, un succès massif. Et, en même temps, ce mouvement citoyen, qui d'abord s'est appelé eau bien public, hein, mais c'est allé au-delà de la question de l'eau, s'est transformé progressivement en eau bien commun. Et ce passage de on milite pour les biens publics, on milite pour les biens communs, mais en parlant toujours de la même question, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on se réapproprie la chose publique et qu'en fait la question de l'eau, ce n'est pas une question du public assimilée à la question de l'État et de l'administration, mais c'est notre problématique et c'est notre question de communauté politique. Et donc en même temps que ce mouvement social se développe, il y a tout un mouvement de juristes qui va travailler avec eux, et d'une manière complètement fortuite, le gouvernement qui va succéder va proposer une réforme de la propriété publique, mais à des fins juste de rafraîchissement du code de la propriété publique en Italie. Et un grand juriste italien qui est décédé récemment, mais il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle Rodotà, Stefano Rodotà, va être président de cette commission. Et en fait, il va réunir des juristes, des économistes, des sociologues pour rénover le code de la propriété publique en Italie. Et il va utiliser ce moment particulier pour créer une nouvelle catégorie, pour proposer un projet de loi pour créer une nouvelle catégorie de biens qui ne soit pas bien public, qui ne soit pas bien privé, mais qui soit bien commun. Et donc, c'est une longue histoire rare, ça aussi. Mais les biens communs, selon la commission Rodotà, sont définis comme ça. Ce sont des biens qui contribuent aux droits fondamentaux. Donc il y a toute une histoire, donc comment on lie la question des biens à la notion de droits fondamentaux et au libre développement de la personnalité humaine, d'appartenance collective, placée en dehors du marché, du profit de la concurrence. Il s'agit de biens qui doivent être gérés par un sujet public, mais avec la participation dans la gouvernance des citoyens, aussi bien au niveau de la gestion qu'au niveau des propositions et du contrôle. Donc ça, c'est la définition qui a été donnée par le projet de loi de la commission Rodotà. Là, je vous dis tout de suite que ce projet de loi n'a jamais passé les fourches caudines du Parlement italien. Mais il n'empêche que, donc là je passe là-dessus parce que je préfère qu'on ait un temps de discussion important, il n'empêche que certaines villes, et en particulier la ville de Naples, et ça c'est intéressant, a intégré dans ses règlements municipaux des règlements définissant des biens communs au niveau local, donc au niveau de la municipalité, en reprenant les mêmes principes que la commission Rodotà. Donc là aussi, et justement, je vais finir sur notre atelier des communs dans la cité, parce que si ça vous intéresse, on pourra en discuter longuement à ce moment-là. Donc ce qui est important, donc, il y a plusieurs règlements municipaux qui ont été pris, qui ont été votés par le conseil municipal de la mairie de Naples, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce qui est important, c'est que les biens ces biens communs sont, bon, l'eau, le travail, les services publics, les écoles, les jardins d'enfants, les universités, le patrimoine culturel et naturel, le territoire, et tous les biens et services qui appartiennent à la communauté des citoyens et dont ni la jouissance ni la possibilité de participer à leur gouvernement et leur gestion ne peuvent leur être retirés.
Oui, on renverse la situation. Un bien dont la propriété est protégée du fait que la communauté y développe des actions propres à remplir des fonctions sociales et économiques. Enfin, je passe là-dessus pour vous dire qu'il y a plusieurs expérimentations en cours aujourd'hui à Naples, en liaison justement avec la municipalité et en liaison avec ces règlements qui ont été élaborés avec la municipalité et avec un ensemble de collectifs citoyens. Et l'exemple le plus connu est le fameux Asilo Filangieri, qui est un ancien couvent qui est propriété privée de la mairie de Naples, propriété de la mairie de Naples, et qui a pendant un certain temps été abandonné. Et ce lieu a été récupéré par un ensemble de collectifs qui regroupaient à la fois des artistes et des chercheurs majoritairement, et qui ont créé leur propre règlement pour gérer ce lieu, mais non pas à des fins exclusives, c'est-à-dire non pas en tant que communauté fermée, utilisant le couvent à ses propres fins, en passant juste une convention et un contrat avec la mairie, avec une délégation par la mairie de la gestion de ce lieu à la communauté, pas du tout. C'est en fait une communauté qui a été créée, elle-même ayant créé ses propres règles d'organisation de l'activité au sein du couvent, mais à des fins d'ouverture et à des fins d'utilisation par l'ensemble de la communauté des Napolitains et par l'ensemble de la communauté de qui que ce soit. Vous êtes une personne quelconque qui est sur Nav, vous pouvez aller au couvent Leva, vous pouvez participer à la communauté du couvent Leva. Justement, on va y venir. Vous pouvez participer à la communauté de l'asilo et prendre des décisions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'asilo, en fait, et on pourra en reparler dans les mois qui viendront, l'asilo, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un modèle de gestion directe par une communauté qui est diffuse. Pourquoi diffuse, vous allez voir, d'un bien public. Qui a le droit, a le pouvoir de décider de ce qui va se passer dans ce lieu, c'est l'assemblée qui est constituée par la communauté. Il n'y a pas de personnalité juridique, la mairie reconnaît l'assemblée comme étant l'assemblée souveraine. Et cette assemblée est reconnue comme souveraine par la municipalité et garante de l'intérêt général. Et elle est fondée sur un processus, d'une part, de construction d'une communauté ouverte, donc tous les lundis, l'assemblée de l'asilo se rassemble à l'asilo et où va se prendre les décisions de ce qui va se passer dans la semaine qui va suivre, donc des décisions de spectacle et sous quelles conditions et qui on invite et comment. Donc c'est peu commun en France, on ne connaît pas ça, je pense. Et en même temps, on se décide des choses bien plus profondes sur des questions de contrôle, d'organisation, enfin des choses. Il y a des tas de questions qui discutent ensemble, comme par exemple comment on rémunère les artistes, si on les rémunère ou si on ne les rémunère pas, enfin, sur la question de la soutenabilité économique de leur organisation. Donc c'est une communauté ouverte qui est fluide, il n'y a pas besoin d'être membre, il n'y a pas une association, et vous n'avez pas à adhérer à la communauté ou à une association quelconque pour participer à cette communauté. Donc elle est potentiellement infinie, cette communauté. Et basée sur l'expérimentation d'une gestion fondée sur l'autogouvernement, selon des principes qui sont définis par les textes de la municipalité, qui sont la coopération, le mutualisme et la solidarité. Donc je passe vite, parce que finalement, au cœur de ces communs urbains, donc il y a plein d'expériences différentes que celles qui se passent à Naples, bien sûr, hein, avec d'autres modalités qui sont en train de s'expérimenter un peu partout dans le monde, un peu partout en Europe. Mais ce qui est important, c'est qu'au cœur de ces fameux communs urbains, ce qui est important, c'est l'expérimentation de formes nouvelles ou alternatives de gouvernement des biens, des lieux et des espaces publics. Et donc je finirai là-dessus, c'est dans ce contexte-là qu'avec des collègues de l'école du paysage, de l'école d'architecture de Marseille, de mon laboratoire à la Fac Saint-Charles, de collectifs comme Brouette et compagnie, mais aussi d'associations comme Béa Balex, on a lancé un atelier qui s'appelle l'atelier permanent et itinérant Les communs dans la cité à Marseille. Et son objectif, en fait, c'est de regrouper un ensemble de personnes, chercheurs, collectifs, habitants, militants, pour réfléchir sur cette notion de commun à Marseille à partir d'expériences concrètes. On a décidé de travailler sur un cas concret et de voir en quoi ce cas concret à Marseille peut relever du commun ou pas, ou comment éventuellement il pourrait relever du commun. C'est pourquoi on a commencé par travailler sur le cas du jardin Leva, justement, dont vous parlez Jean-Pierre. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc le jardin Leva, le jardin et le couvent Leva, c'est une propriété qui a été rachetée par la mairie
et qui a été très vite, pour des raisons un peu obscures, enfin en tout cas selon la mairie pour éviter une situation de squat, a été donné en gestion à une association qui s'appelle Juxtapose. Mais si vous avez la convention entre Juxtapose, une association d'artistes, pour occuper le couvent et pour s'occuper du jardin. Mais si vous lisez la convention avec Juxtapose, en fait, Juxtapose n'était absolument pas obligé d'ouvrir le jardin, au moins le jardin, à l'ensemble des habitants. Et en fait, ce sont des collectifs d'habitants qui se sont mobilisés en disant, il y a hors de question, que pour quelles raisons on n'accéderait pas au jardin. Bon. Et donc, progressivement, avec ces collectifs d'habitants, l'ouverture du jardin a été possible. Il n'empêche que nous, on a décidé de travailler sur ce cas du jardin à Leva, puisqu'en fait, c'est une convention temporaire, qui finit bientôt, et qui s'inscrit en plus, le jardin et le couvent Leva s'inscrivent dans le projet Quartier Libre, je ne sais pas si vous en avez entendu, qui regroupe en fait, qui est un quartier de réhabilitation de l'ensemble de la zone Saint-Charles-Belle-de-Mai, avec concertation obligatoire, avec les élections municipales qui se profilent. Donc on s'est dit que c'était l'occasion, et puisqu'il y a concertation, de pouvoir mettre en débat des questions de quelle gouvernance possible du jardin et du couvent Leva peuvent être développées à Marseille au-delà du schéma classique, et aussi avec l'idée d'éviter que ce jardin, que cette propriété municipale ne puisse être vendue à terme. Donc on a créé ce collectif, on a commencé sur le jardin Leva. Le premier événement a eu lieu en décembre 2018, mais on s'est dit au bout de cet événement-là que la question du jardin Leva était vraiment très importante pour discuter de cette notion de commun à Marseille, était un cas exemplaire et en même temps pouvait avoir aussi des répercussions sur quel type de gouvernement on peut faire avancer, de ce bien public on peut faire avancer à Marseille. Donc on a décidé de créer un deuxième moment sur le jardin Leva, et c'est pour ça que je vous parlais des Napolitains tout à l'heure. Donc ça aura lieu, je vais finir là-dessus, 22-23 novembre 2019, avec une soirée avec des Napolitains qui viendront exposer le cas de Naples dont je vous ai parlé tout à l'heure, plus en détail. Et ensuite, un moment important dans le cadre du jardin Leva. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'une des conditions pour qu'une communauté puisse se former, c'était que cette communauté puisse avoir une connaissance fine de la ressource dont elle veut avoir la gestion. Mais en fait, on s'est dit que comme on travaille aussi avec des paysagistes et des écologues, que en fait, la ressource en question s'agissant du jardin Leva, c'est la ressource botanique, c'est la ressource... Si vous n'êtes jamais allé au jardin Leva, il faut vraiment y aller, parce que c'est quelque chose de... C'est un jardin assez exceptionnel à Marseille, d'une richesse en termes de biodiversité absolue, mais d'une fragilité aussi très importante. Et ça nécessite vraiment d'être préservé. Mais que si on veut former une communauté autour de ça, il faut avoir une connaissance fine de ce que contient ce jardin-là. Et c'est la raison pour laquelle on organise une collecte inventaire en commun du jardin Leva. Voilà. Donc c'était un peu long. Je pense que je m'arrête là. Et j'espère qu'il y a de matière à discussion. Merci. Merci. Si c'est pas autant, elle va vouloir revenir. À propos du jardin Leva, j'ai invité il y a quelque temps une plasticienne qui habitait juste en face de ce couvent. Et elle m'expliquait que ses parents étaient les seuls qui avaient le téléphone dans le quartier. Et des dames qui habitaient le couvent venaient chez elle pour appeler le vétérinaire lorsque la vache était malade. Je trouvais cette anecdote très, très rigolote. Mais maintenant, c'est à vous de montrer que vous avez tout compris et que vous êtes absolument prêt et prête à vous approprier tous les biens. Vous voulez que je continue à parler ? Alors, qui commence ? Par le fond, ça vient jusqu'ici. Bonsoir, ma question sera simple. Est-ce qu'on n'a pas plus tendance à défendre les biens communs dans les villes pauvres, comme Naples, Marseille, par exemple, que dans un endroit plus aisé, en général, je veux dire. Pour la population, parce que c'est toujours la population qui est à l'initiative de ses intérêts pour les biens dits communs. Oh.
Je ne suis pas sûre non plus, non, mais ce que je pense surtout, c'est que c'est surtout lié, moi je pense, à ce fameux processus de privatisation, en fait. Est-ce qu'on assiste à un processus de privatisation plus important dans les villes pauvres que riches? J'en suis pas persuadée. Non, je pense que c'est surtout lié, en fait, à aux politiques municipales, en tout cas, si c'est local, aux politiques municipales qui sont menées dans les différentes villes. C'est vrai que, probablement que dans les villes où... Non, mais même en France, dans des villes comme Nantes ou dans d'autres endroits où, effectivement, il y a une vraie politique municipale avec une vraie volonté de protéger tout ce qui relève d'espace, bien public, peut-être que la mobilisation est moins forte. Mais, enfin, pour en revenir à ce point-là, ce qui est intéressant... Je sais pas si la différence entre se mobiliser contre la privatisation et se mobiliser pour proposer une alternative à la privatisation qui est de mettre en place une forme de gestion en commun, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Et donc c'est pour ça que le jardin Leva est intéressant, c'est que pour le moment il n'y a rien de prévu. Je prends cet exemple-là parce qu'on est à Marseille et que ça donne un exemple concret. Il n'y a rien de prévu et que c'est des rapports de force très, très importants qui sont en train de se jouer. Et donc c'est pour ça là. Il y a un espace. La mairie n'a pas encore décidé de vendre, par exemple. On peut imaginer qu'il décide de vendre à un promoteur et d'équiper le jardin en trois. C'est une possibilité. On sait très bien que la ville de Marseille attend... Enfin, c'est la politique de la ville de Marseille jusqu'à présent. Et donc, c'est là. Comment on se mobilise pour proposer, pour former communauté, pour proposer une possibilité de gérer et de contrôler de manière différente le bien. D'où l'expérience à Naples qui est, de fait, particulièrement intéressante. Ça répond pas forcément. C'est même punition collective et individuelle, il faut le dire jusque. Je voulais vous demander, est-ce que la méfiance de l'État propriétaire n'est pas liée au fait que l'État qu'on a du mal à se représenter l'État de manière matérielle, alors que une privatisation, on arrive à voir qui est le propriétaire, on peut se dire qu'on peut plus facilement négocier avec lui, alors qu'un État, parfois, on dit qu'on a du mal à contrôler l'État, qu'on est uniquement victime et qu'on n'agit pas, qu'on ne peut pas le contrôler, l'État. Et donc, on a une défiance d'un État propriétaire parce qu'on imagine qu'on n'appartient pas à l'État et que c'est un peu lui contre nous et pas lui pour nous. Enfin, moi, ce que je comprends de votre question, c'est que est-ce que c'est vraiment une défiance ou c'est est-ce que le fait que l'État soit devenu propriétaire, justement, ça, c'est ce que j'ai voulu montrer, mais on peut ne pas être d'accord avec ça, c'est que le fait que l'État devienne propriétaire, c'est bien qu'il y a une césure qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a l'État et puis il y a... la population, la communauté politique. Il y a cette césure qui fait que l'État va agir, non pas forcément... On va plus s'identifier justement à l'État où ce lien démocratique est brisé. Et donc, du coup, c'est pas tant qu'on va être défiant parce que l'État est propriétaire, mais c'est parce qu'il est devenu propriétaire et qu'il se comporte justement comme un acteur privé et il ne se comporte plus forcément comme répondant à une question d'intérêt général, mais qu'il va se comporter comme un acteur privé, c'est-à-dire vendre pour rentabiliser le bien, vendre pour des tas de raisons, mais qui ne relève pas en fait de l'intérêt général. Je ne sais pas si c'est ça. En gros, le détail est considéré comme une personne qui veut s'enrichir et gagner en puissance. C'est ça, on peut dire ça comme ça. Mais c'est en réalité, c'est exactement ça. Non, c'est exactement ça en fait. Puisqu'il a la personnalité d'intérêt juridique et qu'il peut décider l'État, mais en même temps, quand on dit l'État, c'est aussi les collectivités territoriales. Et donc, c'est que les décisions qui sont prises, effectivement, en termes de biens publics ou de services publics, ne relèvent pas, en fait, d'une concertation, une décision collective, en fait. Mais relèvent, en fait, de cette personnalité juridique que concernait. D'où, effectivement, cette défiance et d'où cette volonté de vouloir se réapproprier ce qu'on appelle la chose publique, c'est-à-dire la question politique, et les biens qui appartiennent à cette collectivité qui nous concerne tous. Et donc, qu'est-ce qu'on peut proposer comme autre forme si l'État reste propriétaire et a un comportement qui est celui d'un acteur privé? Bien, comment on fait pour récupérer cette chose publique, cette question politique, en fait? En fait, c'est une affaire politique. Je ne sais pas si ça règle. Pardon? Et juridique.
Oui, mais juridique, c'est politique. En fait, le droit, effectivement, on a trop tendance à penser que le droit est une affaire technique, mais on voit bien ici que ce n'est pas du tout une affaire technique, c'est une affaire éminemment politique. Et donc, c'est pour ça, par exemple, le cas des Italiens, de vouloir proposer un statut juridique pour les biens communs, c'est, par exemple, en France, c'est quelque chose qui est absolument impensable. Je ne sais pas si ça répond à votre question. L'État, il est quand même là, à la base, pour... aider le peuple et... Non mais... Pardon, c'était trop drôle. Non mais justement, vous avez tout à fait raison, à l'origine. Mais c'est bien le problème. Si la question des communs aujourd'hui prend tout son sens, c'est pour ça que j'ai voulu les placer dans la cité, c'est bien pour ça, c'est qu'on voit bien qu'on assiste à une déliquescence profonde de l'État démocratique. Moi j'insiste sur cette idée d'État démocratique, parce que c'est bien ça qui se passe, on n'est pas dans une situation d'État totalitaire ou de dictature, mais c'est bien qu'une cette césure, on voit bien, d'ailleurs... Même si on peut faire des digressions, mais le mouvement des Gilets jaunes s'inscrit complètement dans cette idée-là. Sauf qu'avec cette idée de commun, c'est comment on récupère, comment on se réorganise. Ça ne veut pas dire qu'on fait abstraction de l'État, qu'on supprime l'État. Certains voudraient le supprimer, mais ça, c'est notre affaire. Mais c'est comment on se réapproprie la chose publique en s'organisant, en s'auto-organisant, qui est à la base, en fait, de la définition de la cité. Il faut venir jusqu'ici, comme les autres. Je vous promets, bientôt, il y aura un micro VHF. Justement, pour parler de s'auto-organiser, c'est vrai que quand on regarde les différents mouvements qu'il peut y avoir, les Gilets jaunes, toutes les associations communales, dans les quartiers ou quoi que ce soit, qui peuvent, si je puis me permettre de gratter, vraiment le minimum qu'ils peuvent avoir, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de s'auto-organiser pour avoir beaucoup plus de poids vis-à-vis de justement cet État propriétaire qui finalement nous enlève nos droits, quelque part? La question n'est pas innocente, c'est juste que justement je me dis que vous, ayant beaucoup plus d'expérience sur l'étude de ce chose, vous aurez pas la réponse, mais je dirais un moyen de faire les choses, peut-être. Je ne sais pas du tout, moi et d'autres, on est chercheurs, on est universitaires, donc on observe, on interprète et on aide à faire progresser le débat, mais non, malheureusement, si j'avais la solution. Il n'y a pas moyen d'avoir un poids plus important, justement. En général, on a toujours un poids par rapport à tout ce qui est culturel, mais jamais rien par rapport à tout ce qui est décisionnaire, qui est au niveau du politique ou de l'économie, par exemple. Mais on voit bien quand même, on est vraiment dans une crise du collectif que j'évoquais tout à l'heure. On voit bien, si on dépasse la question des communs, parce qu'il ne faut pas non plus faire dire aux communs tout n'importe quoi aussi, hein, c'est pas la solution miracle. On voit bien quand même que la vraie question, c'est la question du collectif et comment on s'organise collectivement. Je ne sais pas, il n'y a qu'à voir pour la campagne des municipales qui se prépare. On voit bien qu'il y a des énormes difficultés à faire collectif, à s'organiser. Donc on voit bien que c'est... Et en même temps, on a affaire aussi à la crise des partis politiques. Enfin, c'est un vaste sujet, donc je ne pense pas que ce soit uniquement... Je pense que la question des communs est une voie. Parmi tant d'autres, il n'y a pas d'exclusivité. Mais c'est des expérimentations sociales. C'est, au-delà de ça, c'est aussi intellectuellement qu'est-ce que ça apporte, comment ça ouvre des possibles, ça réouvre des possibles là où on était complètement enfermé dans des visions étriquées. Mais les solutions, c'est tout le monde qui fait. C'est limité. C'est limité de fait Tant que l'État de l'éternel... Viens, s'il te plaît. Non, mais c'est la caméra qui va pas t'entendre. Oh là là. Après, on aura la réponse sans avoir la question. C'est pas bon, c'est bon. Non, je disais que je considère que toutes ces expériences du commun, je suis absolument d'accord, bien sûr, est très intéressant, si ce n'est que ça a des limites. Je pense pas, et dans certains esprits, il me semble qu'on peut s'imaginer qu'en développant les communs, on pourrait passer à quelque chose de bon, une société qui nous correspondrait. Or, je pense que c'est limité, effectivement, je pense aux lois.
Et tant que l'État, les communes sont gérées en tant que personnes morales, effectivement, on aura toujours ce problème-là. On sera limité dans notre mouvement. Donc c'est vraiment, je pense, un problème politique, hein, pour clair. Il faut un changement, que les citoyens se rendent bien compte qu'il faut effectivement mettre en commun un minimum d'accord pour pouvoir effectivement vouloir savoir ce qu'on veut comme société. Voilà. Ça, dans l'absolu, vous avez raison. Mais alors, justement, ce qui est intéressant avec les communs, c'est qu'une fois de plus, d'abord, ça ouvre une manière de penser différente. C'est déjà énorme. Hein. Et deuxièmement, c'est soit on croit encore au grand soir, donc aux grandes idées qui viennent d'en haut et qui vont venir expliquer à tout le monde que ce qui est bien et ce qui va bien, ou soit eh ben, on recommence depuis le début, chacun expérimente des choses en bas de sa porte et progressivement on monte en puissance, mais c'est pas exclusif. Non, non. D'accord. Donc moi je pense que l'intérêt des communs c'est ça, c'est que au-delà de toute idéologie, puisqu'on est quand même dans une crise profonde de l'idéologie et qu'il y a une seule idéologie qui domine aujourd'hui, d'accord, c'est l'idéologie néolibérale. Les communs, c'est quelque chose qu'on expérimente, on fait ensemble, on réapprend à faire ensemble, on réapprend à se mobiliser sur une base concrète. Et en même temps, avec des débats comme aujourd'hui, avec des gens qui travaillent sur ces sujets-là, avec vous voyez, c'est aussi remettre aussi les chercheurs, les intellectuels dans la cité, c'est remettre les gens à leur place avec une responsabilité politique. Bien sûr, c'est un sujet politique, mais politique, c'est pas un programme qui vient d'en haut. Politique, c'est la politique, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est justement l'affaire de la cité. Donc, c'est l'affaire de tous. Donc, en même temps, on voit très bien que le sujet est tellement immense et les tâches sont tellement immenses que je pense que cette idée de commun et les expérimenter et faire en sorte d'essayer des voies nouvelles, c'est aussi une manière de faire de la politique. C'est aussi la raison pour laquelle vous disiez la personnalité juridique. Bon, certes, on pourrait très bien faire avec la personnalité juridique, si toutefois on avait une politique qui était complètement différente. Donc c'est pas qu'une affaire de statut juridique. C'est pour ça que l'expérience napolitaine, moi, quand je suis allée les voir, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Bien sûr, c'est microscopique, cette histoire de biens communs au niveau de la municipalité de Naples. Mais enfin, quand vous voyez qu'ils ont redonné le pouvoir à une assemblée d'habitants pour gérer, certes, un lieu, mais c'est immense, enfin, c'est une expérimentation, c'est de nouveau une communauté politique qui se forme, mais comment ces gens sont arrivés à faire marcher un truc pareil, à rester où, enfin, c'est quand même très intéressant, moi, je trouve. Et à partir de ça, vous pouvez monter en puissance, vous pouvez développer, vous pouvez essayer de comprendre comment ils en arrivent. Ils sont, par exemple, quand ils se réunissent en assemblée, ils parlent des heures et des heures et des heures. Mais des choses que... Et c'est des choses qu'on a plus l'habitude de faire forcément, ou on va trouver ça très pénible. Et en même temps, ils arrivent à construire quelque chose qui n'existait plus. Donc, bon. Oui. Oui. Le combat des ZAD. Quels qu'elles soient, est-ce que c'est du commun ? Dans la mesure où ce n'est pas du public, souvent, on va sur des terrains privés. Ben, ça dépend, parce que les communs ne sont pas... Bon, ça peut être sur de la propriété privée, faire quelque chose en commun. Ça n'a pas forcément... La question de la propriété, vous avez vu d'ailleurs... Moi, on parle d'abord de la propriété privée. Toutes ces questions-là sont d'abord liées à la propriété privée. Et c'est comment, justement, la propriété privée a complètement cloisonné, exclu et créé des conflits majeurs, et notamment dans le domaine de la propriété intellectuelle. Vous voyez, c'est la propriété privée. Et donc l'idée, c'est comment on reconstruit du commun sur la base de la propriété privée. On l'ouvre, on la rend inclusive, et c'est là. Ensuite, il y avait tout à fait, effectivement, l'affaire de la question des biens publics qui sont en train d'être privatisés. Donc là, on est dans l'autre processus. Et c'est comment on empêche cette privatisation en essayant de créer notre manière de gouverner les biens publics. Donc, par exemple, Notre-Dame-des-Landes, incontestablement, l'organisation qu'ils ont mise en place, qui est relativement complexe, relève effectivement du commun, bien sûr. Mais il y a différentes formes de commun.
Après, si c'est effectivement quelque chose qui reste fermé sur elle, qui est complètement exclusif, une communauté fermée, qui ne permet pas l'ouverture, l'entrée et la sortie, effectivement, c'est pouvoir. Pour moi, il y a trois éléments de commun, trois exemples. Le problème de l'eau. L'eau, elle appartient à tout le monde. Il y a son traitement qui est nécessaire. Mais sûrement pas, on peut couper l'eau à quelqu'un parce qu'il n'a pas payé. Ça paraît impensable de priver quelqu'un d'eau potable. Deuxièmement, c'est le logement. C'est un bien public. La terre n'appartient pas à ceux qui l'ont achetée. Elle appartient à tout le monde. Et à cause de ça, dans les communes, on peut ne pas faire de logements sociaux pour loger le plus grand nombre à des prix raisonnables. Et le troisième, je l'ai oublié. Et la troisième, la sécurité sociale, à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, ou le contraire. Et ça, c'est un bien qu'on a et sur lequel il faut résister pour le conserver en l'état, parce que ce qui a été fait après la guerre, dans un moment de grande détresse, et de destruction complète de la nation, des gens ont été capables de mettre des éléments qui permettent à tous et à toutes de se soigner normalement sans tenir compte du prix de l'intervention. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de ce qui se passe dans des pays très développés, et en particulier les USA. Oui, non, bien sûr. Après, il ne faut pas tout... Enfin, non, la sécurité sociale, c'était un très bon exemple. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de reconstituer l'histoire de la sécurité sociale qui, à ses origines, était effectivement relevée du commun. Parce qu'en fait, elle a été organisée d'une manière complètement collective, collégiale et progressivement. Ça s'est étatisé et mis sous tutelle de l'État, une fois de plus. Et donc aujourd'hui, la sécurité sociale, sa manière de fonctionner et d'être gérée n'a strictement plus rien à voir avec la manière dont elle a été créée et gérée à ses origines. Donc une fois de plus, ici, on assiste à une étatisation d'un commun ou d'un bien commun, avec des répercussions, bien évidemment, sur la fonction de ce bien commun. Donc, bien évidemment, la sécurité sociale... Bon, après, l'eau, bien évidemment, c'est... Mais une fois de plus, l'eau, qu'est-ce que c'est que l'eau ? C'est l'eau potable, mais c'est aussi la mer, c'est aussi de quelle eau on parle, c'est aussi les fleuves, donc ça se décline aussi d'une manière complètement différente. Et vous voyez, déjà, on voit bien qu'on parle pas de la même chose. Si on dit que l'eau est notre bien commun, bon, ben là, on est dans le cas du slogan. Mais ça veut dire quoi ? C'est bien ça, la question de conceptualiser sur... Une fois qu'on a dit l'eau est un bien commun, donc... C'est un slogan pour dire on refuse que ça soit privatisé, on refuse que les gens qui n'ont pas assez d'argent pour payer leur eau ou leur électricité d'ailleurs en soient exclus. Mais qu'est-ce qu'on fait ? En fait, c'est ça que je vous expliquais, c'est la différence. C'est-à-dire quand vous êtes dans le domaine du commun, c'est que vous êtes dans un projet d'action où vous créez une communauté, où vous organisez vos règles, vous distribuez vos droits et vous gérez en commun la ressource. C'est pas la même chose que de dire... oui, l'eau, c'est un bien commun, donc c'est un slogan, et qu'est-ce qu'on fait ? D'accord ? Par exemple, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a dans certains pays, par exemple en Colombie, ils ont créé... L'État est complètement défaillant dans la distribution de l'eau potable. Ils ont créé une énorme coopérative avec une organisation de la communauté dans son ensemble pour la distribution de l'eau à titre gratuit. Et si là, ça, effectivement, on est dans le domaine du commun. Vous voyez ? Vous voyez la différence ? Parce qu'on a beau dire l'eau est un bien commun, s'il y a un mouvement de privatisation intégrale de l'eau potable, donc la question c'est, bon, donc c'est bon, parallèlement on assiste à une remunicipalisation de l'eau dans certaines municipalités. Voilà, c'est comment cette eau-là, quel mode de gouvernance on lui donne. Et à partir de là, on pourra dire si c'est un bien commun ou pas du commun. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Qui veut venir sur la chaise ? Oui. On ne sait pas. Tu peux même t'asseoir. Tu ne fais pas la pipelette, c'est ça ? Non. Je suis curieuse si vous, sur cette expérience en Naples.
sur cette assemblée, si vous pouvez parler plus sur ça, parce que j'ai bien compris que quand il s'agit de communs naturels, comme des forêts, il y a des gens qui partagent le pouvoir beaucoup plus horizontalement, mais ils ont des connaissances fines, comme vous avez dit. Mais quand c'est urbain, et vous avez les gens qui parlent pendant des heures, et ils ne savent pas nécessairement, je ne sais pas, comment ils s'en sortent, je suis curieuse de savoir plus. Pour en savoir plus, on va revenir le 22 novembre, ça ils vous expliqueront eux-mêmes. Mais surtout, eux, de quoi ils parlent? C'est un couvent, mais qui s'est transformé en lieu de spectacle. Donc, ils parlent de spectacle. Et ils parlent d'ateliers, d'artistes. Mais c'est un lieu immense, et donc, il faut déjà savoir quels artistes on va inviter, quel groupe va passer, quelle programmation on fait d'une semaine à l'autre, comment on rémunère les artistes, quelle personne peut créer un atelier de mosaïque à tel endroit ou à tel autre, comment on finance notre activité, comment toutes ces questions-là. Donc c'est de ça dont il parle en fait. Il décide justement. Oh, ouais, il décide. Ben, juste, c'est ça, en assemblée générale toutes les semaines. Voilà. Non. Elle a décision par consensus. Non, mais c'est très curieux, mais c'est pour ça que c'est nous. Vous voyez, c'est en ce sens que c'est on casse, c'est difficile parce que c'est casser nos manières culturelles et y compris nos enfermements mentaux dans lesquels on est pour penser, en fait. Bon, après, peut-être qu'en France, ça ne se passera jamais parce qu'on n'a pas la culture à ça et qu'on fera les choses différemment. C'est vrai que la culture italienne, d'abord, on n'a pas affaire à un État centralisé. Enfin, il y a plein de... Mais c'est pour ça que... déjà, ils vont venir vous en parler eux-mêmes, donc ça sera... Enfin, si vous venez, c'est bien, mais c'est pas... Et en plus, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est extraordinaire. Vous vous dites, mais comment c'est possible? C'est pareil pour nous, Français, qui sommes vraiment pas du tout habitués à ce genre de choses. Et pourtant, ça marche. Bon, probablement, il y a des conflits, probablement, il y a des choses qui sont compliquées, bien sûr. Mais c'est assez intéressant, justement, parce que ça casse tous les schémas de décision qu'on peut imaginer. Pour conforter ce que vient de dire Fabienne, la semaine dernière, j'animais un atelier de production d'intelligence collective. Alors, ce sont des mots qui sont très à la mode. Mais souvent, dans ces ateliers-là, on a l'habitude de faire des brainstorming dont les gens prennent la parole, s'expriment. Et justement, pour casser ces modes de fonctionnement, j'ai demandé aux personnes qui participaient à cette journée de travail d'écrire et non pas de dire. Et chacun avait une minute pour écrire, et dès qu'il avait écrit son idée, il a passé à son voisin, qui devait lui aussi immédiatement passer ce qu'il avait écrit, etc. Et ça a mis vraiment une bousculade dans les esprits absolument extraordinaire. Ce qui était passionnant, c'est qu'il y avait deux groupes, d'une vingtaine de personnes chacun. Un groupe s'est mis à fonctionner avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'enthousiasme. L'autre groupe s'est mis en complète opposition. Mais c'était intéressant aussi parce que les deux groupes, finalement, ont produit la même chose, ont amené les mêmes idées. Alors qu'ils ne s'étaient pas du tout rencontrés dans la journée. Donc tout ça pour dire qu'il y a vraiment besoin de casser les codes, de casser les habitudes, de réapprendre à apprendre, ou plutôt d'apprendre à désapprendre. Bonsoir, je suis ravi d'avoir changé d'avis d'ailleurs. C'est une aparté. Vous citez l'exemple italien et puis plus proche de nous, l'exemple de la bête de mai. Mais du coup, il me vient en tête qu'on est dans un système démocratique. Churchill disait que de tous les systèmes, c'était le moins pire. Mais finalement, ce vers quoi attend l'exemple italien, c'est quelque chose qui sera mi-chemin entre la démocratie et l'anarchie. Quelque chose qui est finalement difficile à conceptualiser pour les communs que nous sommes, qui avons grandi dans cette république et dans cette démocratie. Et du coup,
on élit personne qui va diriger au nom des autres, mais en même temps, on n'est pas décideur tout seul, on décide de tout avec les autres. Et comment s'appelle ce concept-là, cette gestion politique? Est-ce qu'on y donne un nom? Est-ce qu'on a assez de maturité, finalement? Parce que moi, je crois que c'est une vraie problématique de maturité. Les peuples ne sont pas assez matures pour se déterminer tout le temps, tous ensemble, dans la cohérence. Vous avez éveillé beaucoup de questions chez moi ce soir. Non, mais ce qui est important de souligner, donc moi j'ai pas, je trouve que vous posez bien la question, j'ai pas la réponse, mais ce qui est important quand même de souligner, c'est qu'il faut pas oublier le lien avec la mairie. Parce que c'est pas un auto-gouvernement sain d'un lieu public où ils font ce qu'ils veulent n'importe comment. Il y a d'abord eu et avant tout un certain nombre de règlements qui ont été votés au conseil municipal et tout un travail qui a été fait avec les élus municipaux et certaines personnes du collectif. Et dans ce règlement qui s'appelle sur les usages civiques et collectifs de l'asilo, par exemple, tout ce travail-là a effectivement été travaillé en amont par des collectifs, mais avec un lien direct avec la municipalité. Donc on est dans un modèle, c'est les élus qui décident tout seuls, hein. C'est pas le modèle non plus, je sais pas si ça vous appelez l'anarchie, mais autogouvernement complet, sans contrôle des instances élues démocratiquement. Oui, enfin démocratiquement au sens du vote. Donc c'est quand même des modèles très singuliers. Ou alors au niveau de maturité. Oui, un peu d'où. Forme de liberté et de collectivités dans la gestion qui sont ensuite détruites par des politiques qui commencent à voir leur pouvoir mis en danger, mis en péril. Et voilà, et donc on en revient après à un État qui redevient puissant, etc. L'anarchisme combattu au départ sur le terrain des idées, puis même violemment par la suite, et ainsi de suite. Voilà, juste pour terminer. Voilà, donc ce genre d'initiative, moi je trouve ça super bien, mais ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que ça reste quand même un combat, et que ce pouvoir de décision et de gestion collective, il s'agit de l'arracher. C'est pas juste le demander à la force publique de dire est-ce que, s'il vous plaît, vous voulez bien nous laisser gérer nous collectivement, parce que ça, on a tous compris que c'était de loin la meilleure situation. Non, bien sûr. Non, mais je sais, je dis pas du tout. Non, pas du tout. Mais je veux juste rappeler que voilà, c'est. Merci. C'est vraiment... Il faut l'arracher. Qui d'autre? Ben bien. Tu peux revenir, mais toi aussi tu peux venir. Mais il a déjà parlé bien. Mais il a déjà parlé. C'est debout, sans moquerie, s'il vous plaît. Je voulais juste savoir comment on peut... Enfin, j'aimerais bien comprendre comment on peut penser que l'État a géré comme une entreprise privée à but lucratif, alors qu'elle a un compte à moins de 2000 milliards. Enfin, je veux dire, pour une entreprise qui cherche à s'enrichir, c'est quand même pas génial comme résultat. Et enfin, je veux dire, si elle était à but lucratif, un homme qui redoublerait, on le dirait non, tu coûtes trop cher, arrête. Un homme à l'hôpital, on le dirait, un homme vieux à l'hôpital, on le dirait, bon, bah, tu meurs maintenant, c'est bon, tu nous coûtes de l'argent, tu consommes plus, bon, au revoir. Et l'État, non, l'État, quand les gens ont besoin d'argent à l'hôpital, il va payer quand même, il va emprunter tout ça pour qu'on puisse vivre, enfin, je veux dire, et s'éduquer au détriment, justement, de son économie et de ses comptes, quoi. Il y a moins de 2 000 milliards, quand même, c'est pas... Pour moi, c'est pas Amazon qui... C'est pas une entreprise qui gagne beaucoup d'argent, l'État, quand même. Enfin, elle dépense beaucoup plus que ce qu'elle gagne. Donc, je n'arrive pas à comprendre comment on peut penser qu'elles veulent s'enrichir. Alors que... Tu veux répondre? Je ne sais pas, on a un président de la République qui veut faire un état de Startup Nation, non? C'est pas ça? Je ne sais pas. Startup Nation. Startup Nation, voilà. Donc, on attend. Non, mais enfin, j'ai un peu du mal à. C'est un peu compliqué, votre histoire.
Là, on dit simplement que tout ce qui relève de, du service public et, de, et des biens publics sont en train d'être privatisés et liquidés. C'est ça, dans son... Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Voilà. Un peu ou pas du tout ? En partie, c'est en cours. Voilà. Donc, c'est simplement ça. Et donc, le problème, c'est que dès lors que il y a privatisation des services publics, des biens publics, c'est... ce qui relève de la fonction de l'État qui est en train de disparaître. Voilà. Et donc l'État cherche à rentabiliser les biens publics en les vendant sous prétexte d'une dette publique, mais il n'empêche que c'est une politique volontariste de diminution progressive de l'intervention de la solidarité nationale pour tout ce qui relève de la santé, de la justice, de l'éducation. C'est ça qui est en train de se passer, en fait. Voilà. Donc c'est simplement ça qu'on dit. C'est simplement ça que je dis. Enfin, c'est déjà pas mal, mais c'est ça. Et donc la question est, comment on fait, effectivement c'est un rapport de force, c'est un rapport de pouvoir, pour faire en sorte de mettre un terme à ce genre de situation. Voilà, c'est tout. Après, la question des communs, c'est comment on reconstruit du politique et comment on se réapproprie le pouvoir dans certaines situations, pour gérer collectivement certaines situations. Ou effectivement, comment on est capable aujourd'hui d'inventer ce qui a été inventé au moment de la sécurité sociale, qui relevait plus, non pas uniquement de la puissance de l'État, mais qui relevait aussi d'une action, effectivement, à coup de lutte politique, d'organisation collective, d'un service ou d'une activité qui relève de l'intérêt général. C'est ça qu'on dit. Sauf que la logique, elle va complètement à son inverse aujourd'hui. C'est tout. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut inventer ? Qu'est-ce qu'il est possible d'inventer ? Quelle voie on peut prendre ? C'est uniquement de ça dont il est question. Mais il n'empêche qu'on voit bien qu'avec les politiques actuelles, on est complètement dans une logique inverse. Mais ce n'est pas pour faire un état entreprise, quoique on a déjà fait l'hôpital entreprise et on voit bien où ça arrive. On est en train de liquider l'hôpital public. Bien ça. C'est terrible sous l'œil de la caméra de tous ces gens. Alors, ma question, je voudrais revenir sur. Vous avez donné l'exemple du génome humain et la génétique. Et moi, je voulais que vous me parliez un peu du rapport entre droit de la propriété et rapport avec la gestion du corps humain. Et un article du Code de la santé publique nous dit « principe d'indisponibilité dans le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain qui ne peut faire l'objet d'un droit patrimonial ». Donc on voit qu'il y a un cadre public législatif qui encadre le traitement du génome. On a aussi un cadre plutôt ordinal avec... les ordres de médecins qui, eux, décident de l'attribution des greffes, par exemple, pour les receveurs de greffes, donc qui n'est pas public, mais privé et d'experts, donc. Néanmoins, la France est un cas particulier, puisque nous avons une position sur les greffes, le génome et toutes les données génétiques qui est... l'inverse de ce que peut se faire aux États-Unis, qui a une politique plus néolibérale, comme vous dites, et mercantile de ces informations génétiques. Donc je voudrais savoir si, pour vous, la gestion du corps humain et de ses produits relève du bien commun, la gestion du bien commun. Voilà. Tu veux dire non ? Non, mais c'est compliqué parce qu'en fait on déborde largement de la question des communs et c'est beaucoup plus complexe. Mais juste un point, je ne vais pas forcément répondre à votre question, mais la question de justement, quand il a été question de savoir en France et en Europe d'ailleurs, mais en France en particulier, si on autorisait de breveter des parties du génome humain, donc les gènes humains, effectivement la question a été de savoir si ça faisait partie. Si on pouvait, est-ce que le génome humain, les gènes du génome humain, on pouvait interdire leur brevetabilité au motif justement que c'était des éléments du corps humain ? Ben, il a été décidé que non.
Voilà. Donc après, ce sont des choses qui sont compliquées, qui dépassent la question des données génétiques, la question de l'information génétique, c'est encore autre chose. Mais là, on dépasse de loin la question... Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai voulu insister dans ma présentation sur quand on parle de commun, de quoi parle-t-on ? Alors c'est pour ça que j'emploie le mot commun et non pas de bien commun, parce que une fois de plus, dès lors, on voit bien, ce qui est important avec cette idée, c'est de donner du corps, du contenu à une notion. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans ma présentation. Quand on parle de commun, on parle de ça, ça, ça. Mais on ne parle pas de tout ce qu'on a envie de dénommer bien commun. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas du tout dans le même registre. Quand on parle de l'eau, c'est notre bien commun à tous. On change de débat, en fait. Et je ne suis pas sûre, du coup, avec les questions que vous me posez, d'avoir réussi à faire passer le message. Parce que... Non, mais parce que quand on parle de commun, une fois de plus, je vous dis, commun, c'est quoi ? C'est quand on a une ressource, alors que ce soit matériel, immatériel, ce que vous voulez, mais avec une communauté qui met en place des règles communes de gestion de la ressource, de contrôle de la ressource, quand il y a autogouvernement... Ça s'arrête là. D'accord ? Après, quand on va parler d'une... Sinon, qu'est-ce que ça veut dire, un bien commun ? Quand vous dites le corps... Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout le travail, en fait, de conceptualisation est là. C'est-à-dire que la puissance des communs, telle que je l'ai définie, et au-delà, elle se trouve dans le fait qu'elle a du corps. Et on sait de quoi on parle. Et à partir de ce dont on parle, on peut effectivement pousser les frontières. Mais quand on part de rien et qu'on décrète comme ça, c'est un bien commun parce qu'on sent que ça relève de quelque chose qui nous concerne tous, mais qu'il n'y a rien derrière, qu'on ne sait pas comment le définir, c'est là que du coup on n'est pas fort. Donc la question que vous posez, elle est excessivement pertinente, elle est très sensible, elle est très politique, et c'est un vrai sujet. Mais ce n'est pas au prisme des communs, de mon point de vue, qu'elle doit être discutée. Je vois ça comme ça, en fait. Émission collective. La gestion d'un commun relève-t-il uniquement du bénévolat ? Non, mais c'est une vraie question. C'est très intéressant, justement, parce que si on reprend le cas de l'asilo, mais on peut en prendre d'autres, mais dès lors que, effectivement, si on reste toujours dans l'idée, est-ce qu'on peut trouver des formes des gouvernements alternatifs à la gestion et au gouvernement des biens publics, d'accord ? Si c'est un bien public, normalement, ça relève de l'État ou de la collectivité locale et tout ça, donc... C'est l'État qui gère, c'est la collectivité qui gère. Et là, on dit, ils ne gèrent plus, ils font n'importe quoi. Donc, nous, on va reprendre la main. Et donc, on recrée une communauté politique. Cette communauté politique qui va gérer. Et là, effectivement, c'est qui et comment que les gens qui s'occupent de ça, comment ils vivent, est-ce que c'est du bénévolat, c'est une vraie question. Et ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est que j'en parlais récemment, c'est que, justement, juste ce thème des communs et cette question du travail dans les communs, et bien comment on le rémunère, sous quelle forme. On est en train de... Justement, il y a tous les travaux des courants féministes sur le travail domestique, sur le care et tout ça, qui sont en train d'être remis au goût du jour pour discuter de toute cette problématique sur, effectivement, comment ça se passe. Est-ce qu'on met ça en lien avec la notion de revenu universel ou pas ? Est-ce que... Comment, voilà, c'est une vraie question, j'ai pas la réponse, hein. Mais c'est une vraie question qui est là, une fois de plus, ça pourrait être, je sais pas, faire ton programme de l'année prochaine, mais qui pourrait être un thème très intéressant à discuter. Et il y a pas mal de recherches et de vrais questionnements là-dessus, à l'asilo par exemple. Effectivement, la question se pose, et là, une fois de plus, c'est eux qui pourront vous en parler, de comment ils se rémunèrent. Donc, ils ont décidé qu'ils ne se rémunéraient pas, ils ont décidé eux-mêmes de pas se rémunérer. Les spectacles sont tous gratuits. C'est un prix libre. C'est-à-dire que les personnes et les artistes qui viennent se produire, il y a un chapeau qui est mis, on donne ou on ne donne pas. Donc c'est un vrai service public, hein. Donc on donne ou on ne donne pas. Et donc deux tiers de ce que du chapeau vont à l'artiste
va à l'artiste et le tiers restant va à la gestion de l'asilo. Mais les gens de la communauté qui y travaillent. Et alors, ça pose une vraie question, ils ne sont pas forcément d'accord entre eux, m'a-t-on expliqué. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans ce truc trois quarts du temps, d'autres qui viennent de temps en temps, donc effectivement, ce n'est pas du tout le même rapport au travail. Mais donc, du coup, ça nécessite de repenser sur qu'est-ce qu'on a, le travail, qu'est-ce que c'est, et comment il se rémunère, et toute la question qui va avec, la protection sociale et tout le reste. Non, c'est une vraie question, mais bon, je n'ai pas la réponse. Mais il faut le dire. Approche-toi aussi. Je voulais justement poser une question sur le mode de financement des communs, donc pour prendre la suite. Je me demandais, est-ce que le financement participatif, qui se développe énormément sur beaucoup de sujets, peut être un point de départ pour créer une communauté à partir des communs? Et comment on peut mélanger ça avec de la subvention qui est forcément étatique et les autres modes de financement? Wikipédia fonctionne sur le don, défiscalisé, donc comment on mélange toutes ces formes de financement? Oui, c'est bien, parce que là on voit bien en quoi la question des communs ouvre sur des tas de questionnements. Alors, on a vu, enfin, on n'arrête pas d'en voir, et là vous en soulevez un autre. Effectivement, la question du financement, elle est cruciale. Donc ça dépend des situations, et ça rejoint aussi la question de la rémunération du travail, hein. Et c'est une vraie question. Effectivement, la question du financement participatif est au cœur. Mais quel financement participatif? Parce qu'il y a des tas de financements participatifs. Donc je sais qu'à l'Asilo, ils ont choisi un modèle particulier de plateforme pour des raisons politiques. Et c'est subvention, il y en a hors de question. Ils refusent toute subvention. Mais enfin bon, quand même, ils sont dans des... Et donc du coup, l'intérêt aussi d'être dans des locaux de propriété de la municipalité, c'est que c'est quand même la municipalité qui paye l'électricité, qui paye l'eau. Non, c'est pas de subvention. Elle paye, c'est sa propriété. Mais eux gèrent tout le reste, qui n'est pas négligeable, y compris le travail à l'intérieur. Donc bien sûr, ce sont des vraies questions. Et donc là aussi, il y a foison de personnes qui réfléchissent au type de financement, puisque justement, c'est aussi refuser tout ce qui est financement venant des marchés financiers. Donc c'est effectivement très compliqué, quoi. Un point qu'on n'a pas abordé, c'est par exemple, c'est qu'il y a toute une problématique qui s'ouvre entre la question de coopératives et communs. La thématique des coopératives a rejoint celui des communs, et notamment avec l'histoire des plateformes coopératives. Il y a tout un mouvement qu'on appelle plateforme coopérative qui est en train de se développer en réponse, en opposition aux plateformes telles Airbnb, Uber et compagnie. Donc BlaBlaCar, des choses comme ça. Ça aussi, c'est intéressant. Et donc, il se forme des plateformes avec comme support la coopérative, mais pas n'importe quelle coopérative. Souvent, ce sont en France, en tout cas, parce que c'est très français, des sociétés coopératives à intérêt collectif. Et donc, il y a des tas de choses qui sont aussi, là aussi en train de s'expérimenter. Donc là aussi, c'est la vraie question. On voit bien quand même que ça pose des tas de questions, ça vient réinterroger plein de d'actions possibles sous des formes différentes, en fait. Ben, ça rejoint un petit peu la question qui vient d'être posée, c'était par rapport aux monnaies complémentaires, aux monnaies locales, et on n'en parle pas beaucoup. Moi, juste la monnaie de Marseille, j'en ai entendu parler hier, par exemple. D'ailleurs, on l'accepte ici. Et je veux savoir si ça pouvait créer justement un engouement, soutenir le commun, et si aussi le fait qu'il n'y ait pas assez, qu'il y ait peu de personnes qui adhèrent à cette idée. C'est pas un manque de confiance ou un désintérêt, mais bon, enfin, voilà, l'impression que c'est jamais assez, en fait. Oui, c'est sûr, après, c'est plutôt un commentaire qu'une question, mais tout à fait. Ouais. C'était, à la base, c'était plus sur qu'est-ce que vous pensez des monnaies complémentaires, ça rejoint la question de... Merci.